Tower of Doom. Tour du destin, ouais. Alors qu'on a des bannes aussi, on a eu Braxis. Non, Volscare. Volscare. Et oh. Eternity. Ou, ouais, Eternity de sortie. Alors qu'on va voir le spotlight sur, sur Tour du Destin. On l'avait dit, en plus, on avait call, c'est une carte que les deux équipes apprécient. Alors ce qui est marrant, c'est Eternity. Alors je pense que c'est Liquid qui a dû le ban parce que c'est vrai que. Oui, je crois que c'est Liquid. Heroes sur Eternity, ils ont fait une compo à battre. Zeratul, pardon. Qui avait super bien fonctionné. C'était Tracer Zeratul, non? Un truc comme ça, je crois, qu'ils avaient fait. Je pense pas qu'il y avait Tracer, mais c'était. Genji Zeratul. Un truc, c'était. Il me semble qu'il y avait deux pit dive. Je crois que c'était Genji Zeratul. Peut-être, ouais. Et voilà. C'est vrai que ça avait fait très très mal. Et ben voilà, je trouve qu'on n'a pas trop tiré à côté. Tour du Destin, on l'avait évoqué, une map que les deux équipes apprécient. Et voilà, Zeratul la voiture d'enlever côté Liquid, c'est bien, on a. On n'était pas à côté. Genji, des cartes Kane enlevées par les Américains. First pick, Maiev. Pour le champion d'Amérique du Nord. La Maiev qui est restée open, hein, puisque Liquid a quand même très bien travaillé. Bien sûr. Et a préféré retirer justement les forces de Heroes. Les picks ont très très bien marché sur la phase de groupe. Maintenant, est-ce que Heroes a d'autres choses à lui montrer? Ces plans de caméra sont magnifiques. Hein. On voit les deux équipes face à face. Garrosh Blaze en tout cas, deux ban côté Liquid. Ça va vite, ça pique vite, mine de rien. Tyrande à Nubarak pour les Américains. Et on attaque la deuxième phase de ban. À l'initiative de Team Liquid. Alors ça va être intéressant puisque c'est Heroes qui a choisi la carte. Attends, c'était Heroes? Oui, c'est Heroes. Non, c'est Liquid pardon qui a choisi la carte puisque ça avait été First Pick Maiev côté américain. Et ce sera une Jaina de sortie par les Liquid. Alors Anub qui finit par sortir finalement parce qu'on voit beaucoup de ban Anub. Et c'est vrai que bon, il est quand même. Ouais, non, j'ai rien dit, il est sorti sur le BO d'avant. Et puis il y a beaucoup de choses aussi à ban, hein. On peut pas non plus tout enlever. Alors faut savoir que sur les phases de groupe. Il a quand même fini à 61% de victoire cette année, Barry. Mais comme un peu sur la scène coréenne, hein, il avait été l'un des plus gros win rates de la scène coréenne. Et c'est clairement l'influence coréenne-chinoise hein, qui fait remonter. On le rappelle, mais les championnats du monde, c'est aussi le clash des méta. Et tout simplement, et bien là, on voit Anub revenir. Et puis cette Maiev aussi. Par contre, la Maiev, on la voit pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Elle a pas été un ratio de fou. Puis même au niveau prestation, je sais pas ce que t'en as pensé, mais les Maiev sur les championnats réguliers, on les voyait vraiment briller là. Bah, first pick Maiev, souvent la moins d'impact. C'est un peu normal aussi. C'est sûr, c'est sûr. Les équipes s'adaptent. Et on l'a vu énormément first pick. Et d'un autre côté, c'est le deuxième héros qui a 100% de popularité. Il y en a que deux maintenant. Donc des héros voilà, qui ont été présents dans tous les drafts de la compétition. Il y a justement Genji et Maiev. Ouh, alors que. Alors Raynor Liming côté récupéré côté Liquid, donc on a de quoi envoyer de la pression, je dirais, à la compo adverse. Et Hanzo DAK à l'ancienne, un DAK toujours très impactant sur Tour du Destin avec son global. Et n'oublions pas qu'on est sur le patch Mal'Ganis, pas le patch d'équilibrage Mal'Ganis qui vient d'arriver dans la semaine, on est sur le patch Mal'Ganis sans Mal'Ganis puisqu'il est sorti trop récemment. Hanzo sur Tour du Destin, toujours très fort pour les camps. Oh là, explique une White Main qui a été quasiment absente des phases de groupe. Mon cher TR, intéressant de l'avoir, mais voilà, il est toujours là, il répond toujours présent. Le petit Jimmy, qui nous fait en plus un regard, nous fait le regard, c'est Jimmy. Ah, il fixe bien la caméra. Salut, c'est Jimmy. Anubarak, il va finir sur ma baïonnette, forcément. Non, Anub, ça fait, c'est très très fragile hein, contre Raynor. Raynor peut vraiment vite le punir. Alors, t'en penses quoi justement de ces deux compositions? La White Main est très intéressante, je trouve, ici, parce qu'elle est très forte contre Maiev. Et il n'y a pas tant de poke hein, en face, mine de rien. On a envie d'être assez agressif hein, ouais. avec cette Maiev et cette Anub. Et au final, bah, ça répond très bien sur ah, les choses. Bien. Et c'est vrai que White Main, on l'a pas beaucoup vu parce qu'elle a quand même énormément de contres. Tu peux vraiment contrer une White Main assez facilement. Mais en last pick, comme ça, ouais, très bien drafté. Très bien drafté. Hein. Et j'aime beaucoup aussi le double assassin des Liquid avec Raynor et Liming. Ça a beaucoup d'impact, hein, mine de rien, que ce soit sur la frontline d'ailleurs, ou si tu dois aller chercher justement une cible un peu plus fragile. T'as un Garrosh en protection, t'as un Blaze, donc une grosse frontline aussi pour protéger, pour avoir cette protection. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la draft Liquid. Après, attention, quand même du côté d'Heroes, on a le DAK, donc ce global qui peut retourner une situation où on se dit c'est du 4v4, et bien non, boum, il y a des AK qui arrivent, un petit coup de langue et c'est terminé. J'ai hâte de voir aussi la Maiev. Qui va jouer Maiev? Omi ou McIntyre? Déjà, première question. C'est une bonne question. C'est super important parce que moi aussi j'adore le draft de Liquid. Je trouve qu'il y a beaucoup de réponses à cette Maiev. Entre la White Main, le Bunker aussi, oui. Liming qui est bien très sûr. Forte parce qu'elle peut jamais se faire attraper. Donc il y a beaucoup attention de Raynor, sur le draft par de Liquid. Contre. Maiev fait mal à Raynor. Donc voilà, mes pronostics c'était 2-0 pour Heroes. Mais c'est vrai qu'au vu du draft, je préfère le draft Liquid. Mais attention quand même, Maiev c'est très fort contre Raynor. Très très fort contre Raynor parce qu'il a pas forcément d'escape.
Et du coup, il peut vite se faire attraper. Et du coup, à ce moment-là, s'il se fait attraper, elle se retrouve dans des. White Main et Bunker. Ouais. C'est vrai. C'est quand même deux très bons outils défensifs contre Maiev. C'est pour ça, voilà. C'est pour ça qu'il faut relativiser. Mais de base, attention, hein, Maiev fait très très mal. Et DAK, encore une fois, l'une des grandes interrogations, c'est ce DAK qui, accompagné d'Anub Tyrant, beaucoup de contrôle, beaucoup de burst aussi. Pour, on va engager très loin. Donc, hâte de voir ça en tout cas. Ah, là, j'ai l'impression que ça y est, ils ont activé le. Les micros d'ambiance, c'est parfait, parce que malheureusement on l'avait pas avant, donc c'est cool. Parce que là on a entendu la foule, et elle va se régaler forcément. C'est le meilleur espoir de la scène nord-américaine tout simplement qui joue. Non c'est sûr, c'est le site numéro 1 américain. Tempo Storm a réussi à se qualifier aussi, mais là on est sur l'équipe numéro 1. Et une équipe qui a fait une très belle prestation sur les phases de groupe. Et de loin donc, concernant la scène nord-américaine. Pas étonnant. Maintenant attention, hein, parce que Liquid... ils ont quand même du répondant, mine de rien, ils ont de très bons joueurs, une très belle équipe européenne, donc tout peut arriver. Alors qu'on entend la foule, et il y a du monde en plus, hein. Il y a du monde sur ce podium, et on est parti pour cette première game de ce BO3 entre les Américains d'Heroes face au Liquid, et du côté Heroes BBG, qu'on retrouvera sur Tyrant McIntyre, sur DAK, Ishbu sur Anubarak, Homicidal du coup qui sera sur Maiev, et enfin Kroen sur Hanzo. On va voir hein, du côté des Liquid. Ça et fait la plaisir, foule. Ouais, ça fait vraiment ça plaisir. Avec justement côté Liquid, Sport Billy sur son Garrosh. Hein, il joue beaucoup. Eternal sur Kramer. Azuop sur Raynor. Arcaner sur Liming. Et enfin, Nurok sur White Main. D'ailleurs, Nurok, je sais même pas si on l'a vu une seule fois sur White Main. Hein. Il me semble sur le championnat, tu sais, au moment où elle a été autorisée un petit peu, on l'avait pas vu beaucoup, mais on l'avait vu un petit peu. Donc, de toute façon, Nurok, je trouve qu'il a vraiment. Il est arrivé en support pour remplacer Splendour qui était le support historique de cette line-up, hein, de cette équipe. Et il a été juste exceptionnel. On le connaît sur son Descartes Kane où il a des ultimes playmakers comme pas possible. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir sur cette pet mail, on le disait, l'une des clés du draft de Team Liquid. En tout cas, on est parti à 4 sur cette voie du bas côté Liquid pour le moment. Est-ce qu'on... On devrait avoir forcément, hein, sur Tour du Destin, toujours beaucoup de pression mise sur la botlane et des AK Blaze qui auront ce rôle d'éponge un petit peu à XP avec du double soak. Attention, justement, Miss Idol qui va esquiver le combo. C'est pas forcément simple à faire ce qu'il a fait. Il a essayé de laisser d'ailleurs le Sport Billy, mais ça n'est pas passé. Ah, j'ai hâte de voir Omi quand même. Je pense que Omi peut être très fort sur ce genre de héros. On l'a vu sur Illidan hein, aussi. Hein, oh, il est excellent. On a eu des très bons Illidan de toute façon sur ces phases de groupe. Moi, j'ai l'impression que c'est un très bon joueur, Omi. Je me demande même si c'est pas une superbe recrue de la part des Rosers. Il me rappelle un peu un Poilk, tu vois, une étoile montante de la scène nord-américaine. Ouais, peut-être. En tout cas, il aura un boulot très important dans cette partie parce qu'il y a beaucoup d'armes contre lui, mine de rien. On parlait de White Main côté Liquid, mais clairement, côté Rosers, c'est l'une des clés, c'est l'un des éléments perturbateurs, tout simplement, dont Rosers va devoir jouer. En tout cas, les deux camps de sapeurs qui sont faits. Alors au niveau de talent, j'ai pas vu grand chose à dire. Stimulant neuro pour Blaze. Pas d'insensibilité qui aurait quand même été super importante face à la tonne de contrôle côté américain. Ouais, alors après il sera pas la cible principale ici. Alors par contre c'est vrai que si par exemple il y a un cocon. Il peut le dodge. Après il y a une lemming. Il y a une lemming aussi. Donc t'as peut-être pas besoin finalement de ça contre le cocon. Ouais mais même je trouve que. Mais moi j'aime bien parce que. Dans ce genre de situation, si t'es pas le focus, ce talent 1 peut aussi être très fort pour rentrer le plus de spells possible. C'est sûr. Surtout qu'avec le stun, maintenant il a 10 secondes CD, tu peux mettre tellement vite un deuxième stun. Mais d'un autre côté, ton flanking aussi, puisqu'on sait que souvent les mêlées vont devoir arriver sur le côté, essayer de trouver une engage sur le flanc. Et le problème, c'est que il suffit d'un stun de Tyrande ou d'un stun d'Anub, et boum, ta charge elle est annulée. Donc, après, il va avoir un aspect défensif dans cette partie. C'est vrai, c'est plus donc, du peeling. C'est pour ça que c'est. C'est plutôt pas mal ici, je trouve. Parce que c'est vrai que contre les Garrosh, moi j'étais étonné d'en voir si peu de la cleanse, enfin de la safe cleanse. Mais là j'aime bien son. Mais d'un autre côté aussi, côté Liquid, on peut manquer cruellement d'initiative, d'engage, je dirais. Puisque ce sera beaucoup plus au rôle d'Heroes de le faire. Mais si Liquid veut passer à l'attaque, c'est pas forcément. Garrosh, c'est pas son domaine de prédilection. Hein. Alors évidemment, en Euroleague, quand on fait pas gaffe, il peut rentrer dedans. Mais là, on n'est pas en Euroleague. Et du coup, Garrosh, c'est beaucoup plus dur pour lui de trouver les axes d'engage. Donc c'est plus Blaze qui peut lui offrir ce genre de choses. En tout cas, le triple tel. Et DAK qui va arriver. Attention, DAK qui arrive sur Nurok. Bien protégé pour le moment, Sport Billy. Le stun qui va passer, Nurok qui va tomber sous les coups des Américains. Attention, coup de langue. Pourrait même s'offrir un double kill peut-être du côté américain. C'est bien joué ça.
pour les Heroes Earth. McIntyre. Encore une fois. McIntyre qui fait mal dès le début de cette partie. Et Nurok, après il a été trop loin, hein, ce Nurok quand même. Ils avaient la vision justement sur Mayhem sur la top lane, mais DRK évidemment c'est un global, hein. Faut pas oublier qu'il peut, justement arriver. Alors, on a mis à du tout temps moment. À agir. Et je pense que Nurok aurait même pas dû essayer de prendre l'hôtel, il aurait dû essayer de patienter un petit peu. Bah, dès qu'il s'est fait des tags par la chouette, il aurait peut-être dû reculer, ouais. Mais bon, difficile à dire. Après, on entend hein, la DA-cale, comme j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire la décale de DAK. On l'entend, c'est juste qu'on sait pas forcément où elle est. Mais du coup, il s'est fait avoir un petit peu comme un bleu, la Nurok. Et au passage, le seul barbelé, qui je pense est un choix excellent du côté d'Anubarak, ce niveau 4, qui fait en sorte que bah, l'empalé reste, donc ces espèces de picots restent au sol, ce qui fait des dégâts et surtout ce qui ralentit. Et face à Raynor, Whitemane, Garrosh, Blaze, t'as pas forcément l'escape, t'as pas forcément la mobilité pour passer outre. Donc j'aime beaucoup ce choix de niveau 4. Là par exemple, vous voyez, hop, Blaze, enfin, le Garrosh a pas spécialement envie de claquer son incensi. Du coup, il est ralenti, ce qui limite un petit peu son impact. Ouais, c'est vrai. Sur Anub, la charge, elle est là, pas de problème. J'aurais peut-être bien aimé aussi la Moose Spin, mine de rien. Ouais, la mise d'exosquelette, le niveau 4. Ouais, la Moose Spin, c'est peut-être pas mal. Oh, attention Eternal. Oh, attention Eternal. La protection d'Azu, elle est belle. Et on a entendu les Américains, évidemment. Ça fait vraiment plaisir hein, d'avoir ces micros d'ambiance. Et on entend la foule nord-américaine, évidemment, qui a envie de voir du sang européen. Mais ça se comprend, ils sont chez eux. Et c'est aussi ça, ça peut être un des impacts, hein, évidemment, le fait d'être porté par la foule, par son équipe, enfin par son public, tout simplement. Sinon sur les niveaux 7, on est plutôt sur du classique côté Heroes Earth. Il faut savoir que les joueurs sentent les vibrations. Hein. Oui. C'est... Toute la foule se met à griller, ils sentent justement les vibrations sur la table. Ce qui peut... Créer des tensions. Ce qui peut bien entendu soit les porter, soit les détruire. On se rappelle D-Star encore une fois, qui avait pas résisté à la pression. Ou Genji aussi qui avait eu du mal contre ouais. Dignitas sur le Mid-Season Brawl plus récemment. Allez, en tout cas, un seul hôtel qu'on va vouloir jouer sur la botlane. DRK à push top, il met de la pression à Blaze qui va devoir remonter, mais ça laisse du champ libre à DRK. Faut faire attention, hein. DRK peut arriver sur la botlane et faire justement tenter un 5v4 ouais, sur cette botlane. Et on le voit, hein. Il a toute la liberté. C'est même Liming qui est obligé de décaler mid lane. Ouais, ils veulent pas le jouer. Là, c'est une situation où ils peuvent pas trop avancer. S'ils avancent, DRK pourrait faire très très mal et du coup, on va laisser, ouais, on va le laisser. Cet hôtel. Et les Américains qui sont contents. Bah ouais, forcément, c'est un hôtel de récupérer. Attention, on n'est pas niveau 10. C'est au niveau 10 où les Européens aussi auront des choses très intéressantes. Les outils défensifs contre Mayhem. Ah, Bunker. Le taunt qui fait très très mal aussi. Hein. C'est un des outils très puissants de Garrosh. Parce que le taunt, on le rappelle, 50 secondes de CD, Malga. C'est 40, très, 45 même. C'est encore, c'est 45 secondes. Donc ouais, en dessous de 50 de toute façon, quasiment en arrondi. Alors moi, je crois que c'était 50. Non, c'est 45. C'est très très court, très 45. Court. De toute façon, ça joue à 5 secondes, hein, si jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que le taunt en plus va crucifier Mayhem sur place. Et à ce moment-là, Raynor et Liming vont pas se gêner hein, pour lui exploser la tronche à la gardienne, elle de la nuit. En tout cas, les Liquid qui ont le niveau 10, ça y est, l'égide écarlate pour Whitemane, logique. Côté Heroes Earth, pas de surprise. Hein. Ah si, le caveau quand même. C'est vrai qu'on aurait pu, on l'a vu d'ailleurs très utilisé en Corée et en Chine, le cocon plus disque. Et on a préféré le caveau des gardiennes ici. Pour peut-être aller chercher Raynor, Whitemane qui peuvent être exposés. C'est vrai qu'il y a slack de mobilité quand même côté Liquid, ouais, donc le caveau peut être intéressant. Mais t'as le bunker et l'ulti de Whitemane qui est aussi très fort contre le caveau. Ouais, pour tempo. Donc, ouais. Après, t'as déjà le cocon peut-être aussi pour essayer de casser un petit peu un bunker ou un ulti de Whitemane. Mais t'as cette Liming qui peut justement détruire le cocon très rapidement. Par contre, elle peut pas casser le disque, donc ouais. Ça aurait pu être intéressant. Sachant que le disque passe à travers les insensibilités aussi. Hein. En plein, un Garrosh qui claque l'incensi pour essayer d'attraper quelqu'un, un disque, ouf. Après, le disque voilà, passe. Le problème disque, c'est quand même bien plus dur. Ren, ouais, bien joué, Ishbu. Bonne protection, il se met sur la trajectoire du stun pour protéger son carry. C'est le boulot d'un tank, mais c'est très bien réalisé ici. Et on a la vision, il y avait 5 joueurs de Liquid sur cette botlane terre. Et finalement. Qui a fait le camp sur cette top lane. Et là, on sent la force hein, du global. Mayhem qui va pouvoir détag normalement. Encore une chouette. Là il y a Mayhem au-dessus. Ouais, il est juste au-dessus. Il pourra pas tag. Voilà. Par contre, attention Mayhem. Attention Mayhem, justement. Ah, voilà, qui prend. Il a pas envoyé son E direct. Hein. Très très bien vu. Il a été tag avec le Q. Et là sur la top lane, DAK qui met une pression de dingue avec le camp. Ouais, avec les sapeurs, exactement. Oh là 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 là. Et il est zone haut. Hein. Très très propre des Rosers, mais c'est pas fini. Et le public est chaud, hein, clairement.
Ils sentent qu'il y a une énorme pression qui est mise par leur équipe. Attention Kroen par contre, on va utiliser le saut. La Banshee hein, qui va avoir un bon rôle mine de rien pour mitrailler un petit peu. Sport Billy qui essaie de forcer. Hein. Il essaye parce que là, voilà, on voit le fort sur la top lane qui prend des dégâts déjà. Côté Liquid. Attention, attention Ishbu qui va prendre très cher là, il va se faire attraper même. Le taunt. Il a pas pu mettre la charge en fou Ishbu. Une erreur peut-être, mais très très bien puni par le joueur croate. Et en plus il a pas e-taunt, hein. C'est ça le pire. Il avait du temps, il avait du temps Ishbu. C'est ça, Sport Billy qui aurait pu optimiser encore plus. Avec le e-taunt justement plus, pour empêcher. Le tyran a été raté en plus. Hein. Ouais, donc c'est vrai que là attention Ishbu, attention. Parce que là on n'a pas tout mis côté Liquid. Et il est quand même mort. Et là on voit hein, l'impact, on en parlait, Raynor Liming, ça fait très très mal à Nup qui s'est fait désosser. Attention les nations, on est en 1v2. On est en 1v2 côté Liquid et ça va être peut-être rotation. Là il a même pas eu le temps de bunker. Oh, c'était parfait. Parfait, pas de bunker possible. Qu'aurait pu temporiser un petit peu le retour des coéquipiers. Oh, très bien joué de la part des, deux mêlés. La rotation c'était juste parfaite. Attention Kroen. Oup. Le stun qui va être mis, l'incensé. Oh, il avait été chercher Ishbu. Non mais après, attends, il prend très cher, il prend extrêmement cher, il a raté son offensive, mais c'était bien tenté hein. La safe cleanse pour surprendre la Numarak encore une fois. Ouais. Parce que c'était à la fois défensif et offensif, c'était bien tenté. Par bien contre tenté faudra qu'il soit très précis parce que si Tyran n'est vraiment pas loin, elle peut justement purge cette rotation de CC. Mais par contre c'est vrai que si Tyran est un peu trop loin, et ben elle pourra pas sauver la Numarak. Et en attendant, le Blaze qui souffre sur la top lane, DAK qui met beaucoup de pression à niveau d'avance. Qui se ressent mine de rien, on a. Je sais pas ce que t'en penses, mais Heroes c'est une des rares teams qui joue énormément bien sur la top lane. Oui, c'est vrai. Ça fait 3 fois qu'on les voit complètement dominer les parties sur Dome grâce à cette top lane. Alors que généralement, ça se joue beaucoup sur la bot lane, mais eux, ils arrivent, on va dire, à changer le point de pression. Et n'oublions pas que c'est un choix de carte Liquid. Ah, avec Kroen qui est tellement rigoureux depuis tout à l'heure face aux engages de Sport Billy. Le petit pas à chaque fois qui fait la diff. Et au passage, on a les épines urticantes pour Anub, un peu plus de burst encore une fois. Et le slow aussi de Tyrande qui va avoir. Qui va faire du bien et toujours perturber ce Garrosh. Oh là là là. Ah, par contre, ouais, là la Banshee qui permet de faire des dégâts. Attention, Ishbu. Et il y a l'arrivée de DAK, on va essayer d'attraper Ishbu. Il n'y a pas Raynor. Le cocon sur White Main. On engage, bien joué Arcaner, bonne esquive. Attention, White Main à la sortie, le caveau de claqué. Bien joué dans la mêlée pour sauver New Rock. On n'a pas claqué. Oh, le caveau qui bloque. Erreur des Liquid. Ils ont mis deux choses en même temps. Le dans la mêlée plus le bunker. Attention, l'alignation de claquer. L'incensi demi sur Sport Billy. Après, il a toujours la petite capote hein, sur la tête. Son champ de vision est réduit. Et Omi qui a les reset 2A. Attention à ça. Attention à ça pour les Liquid. Ah, le problème, c'est côté Liquid, on a mis beaucoup d'outils défensifs déjà pour essayer de sauver cette. Après, on a l'égide. White Main. On a l'égide quand même. Qui est super importante. Allez, on essaye de détag, mais il y a Hanzo, hein. Hanzo qui est bien protégé par DAK. Et attention, Ishbu. On va laisser l'hôtel top, l'hôtel mid pour les Rosers. Maintenant, faut essayer de choper celui-là, c'est super important pour les Queens. Parce que le niveau 16 approche pour les Rosers et il y a un DAK en plus. Ouais, et c'est toujours à l'avantage des Américains, puisque on va être à 28-24. Il y a un hôtel d'avance pour les Rosers, on le rappelle, hein, sur cette carte. La grande particularité, c'était pas la botlane. Non, on va parler potentiellement de la botlane, mais là c'est surtout qu'on ne peut pas atteindre le corps directement. Donc il faut se servir des camps, il faut se servir d'abord des hôtels bien entendu pour tirer directement sur le corps. Il y a le boss aussi hein, qui offre 4 tirs, et si les sapeurs passent chez l'ennemi, attention par contre, on a mis un cocon, Miss Idol qui prend très très cher, une torchère peut-être et le kill de récupérer par James Hushen Raynor. Je sais pas si t'as vu Arcaner, il a failli. Bah, si Maiev s'en sortait, c'était à cause d'Arcaner parce qu'il avait décidé de détruire le cocon au lieu de burst à Maiev. Donc heureusement que cette Maiev est morte. Ouais, c'est bien pensé ça par contre. C'est bien pensé ça. Arcaner n'est pas vu puisqu'il a sauté à travers le mur. Là il est vu par contre bien sûr par McIntyre, mais on n'en sait rien. Côté Liquid. Mais on essaye de rechanger un petit peu la donne hein, puisque top lane c'est Heroes qui fait le trou comme tu l'évoquais. Ils viennent juste d'avoir le 16 Heroes, ce qui fait que t'as pas forcément envie de te confronter à une teamfight sur la bot lane. Et du coup tu vas tenter un petit gank top. Et en plus de ça voilà, tu récupères le camp. C'est vraiment bien fait des Liquid encore une fois, puisqu'on le rappelle, un talent d'écart c'est très important dans ce jeu. Ouais, en attendant on voit Kroen niveau 16 très important en plus hein. Le burst sur la chouette du côté de Tyrande, les flèches acérées. Donc il passe à travers les héros pour Hanzo. Macro Glossy, donc la portée du coup de langue et l'armure offensive pour Maiev. Les dégâts supplémentaires quand elle a de l'armure. C'est vrai que Hanzo de Kroen est excellent. Il avait des stats incroyables. Au moment où tu dis ça, il rate complètement ses 1000 flèches évidemment. La malédiction du caster.
Après, il a mis un midlife sur Arcanor. Ouais, bien sûr. Et c'est Naming quand même, donc. Ah, puis c'est un très bon joueur, hein, Croen. C'est pas pour rien qu'on l'a mis joueur clé. Ah, un sapeur qui a réussi à être tué avant son explosion, ce qui fait que le T1 a bien défendu. Attention, Ishbu. Ouais, cette fois, prends pas de risque. Il y a le DAK. Il y a le DAK. Hein. Les Liquids doivent essayer de stopper ça, mais l'arrivée de DAK pourrait faire très mal sur la bot lane. Ah, il est là, le cocon sur Naming. Sparbilly, l'incensi peut-être, la flèche est loupée. Bien joué, Sparbilly, le taunt pour empêcher Anub. C'est très bien désamorcé. Légie d'écarlate. De claquer par Nurok, la rengage peut-être, Blaze est là et Arcanor se fait détruire par Maiev. Homicidal qui fait la différence malgré l'arrivée d'Eternal, trop tard. Arcanor qui s'est fait bouffer par la Maiev là-dessus. C'était dommage parce qu'ils avaient réussi à bien désamorcer cette offensive. Non, je suis d'accord avec toi, Liquid avait très bien commencé cette teamfight en désamorçant toutes les offensives. Et Arcanor qui s'est un petit peu oublié. Ouais. Qui s'est un petit peu oublié ici, surtout avec les Ming, il a tous les outils hein, pour être hors de danger. Ouais, parce qu'on l'a vu, hein, TP, mais malheureusement trop tard. Et ça coûte cher parce que Liquid, comme on le disait, aïe. C'était bien positionné. On avait Eternal qui était là, c'était le moment de contre-attaquer limite pour les Européens. Ah, c'est assez important ça. Le coup de langue esquivé, c'est très important. Et surtout dans le match-up, Eternal lui il a réussi à toucher la torche. Non, pas du tout. Mais non, il a vraiment touché. Non, mais c'est juste que c'est. C'est un CC en moi, ce qui fait que c'est plus facile pour eux, même en 4v5, de défendre ce fort. Ce genre de CC est très important à réussir. Et là, voilà, les Liquid, ils ont eu un mort, mais au final, très belle défense de Liquid. Ouais, on a sauvegardé le fort bot. Et c'est primordial, hein, puisqu'il y a 24-16. On a deux hôtels d'avance pour les Heroes Earth et surtout deux forts inquiétés, top lane et bot lane. Si jamais un nouveau fort est récupéré par Heroes Earth. Et top pour le récupérer, bonne chance. Hein. Ouais. Parce que DAK va mettre tellement. Oh, superbe! Sparbilly qui punit la Nubarak. Et là maintenant c'est avantage numérique pour les Liquid. Un kill très important puisque tu le disais, top lane ils peuvent pas récupérer ce contrôle. Alors qu'on a entendu les supporters de Liquid dans le public bien sûr. Tu sais c'est comme, voilà, il y en avait 2-3 là qu'on a entendu. Les Américains n'ont rien dit, hein. Non c'est bon, c'est pas grave. Non mais ce kill est super important parce que c'était un moment un peu charnière. Ah mais regarde top. Ah hein. Oui, bah oui bien sûr. La Liquid veut vraiment prendre cette bot lane. Mais ils peuvent trade. Ah c'est pas évident non plus hein. Maiev ça dépouche extrêmement bien, Hanzo aussi quand même en late game. Du coup voilà, ils vont pas faire grand chose de ce camp de sapeur. Par contre attention, DAK. Sportbilly qui va zoner, la Nation qui touche. Mais alors, c'est un CD en moins. C'est excellent parce qu'il y avait que Sportbilly. Oui c'est ça. Du coup bah, c'est un bait. Oh. Ah il a pas voulu Arcanor. Sportbilly avait absorbé la chouette pour permettre à son carry de tag. Attention, Homicidal qui va se faire attraper. Hop. Le taunt qui est parti de Sportbilly. Qui ne touche pas, Croen, attention, il a pris la torchère. La flèche qui va être mise, qui touche 4. Oh, cette flèche. Eternal dans la mêlée de Sportbilly, le cocon qui a été envoyé. Attention au caveau, on va faire mal. Le bunker, Homicidal qui est pas bien. Homicidal qui tombe. Ce bunker d'Eternal. Oh, Eternal. Oh, il a sauvé. Attention, c'est bon. Oh non, c'est raté. Arcanor. Ah, par contre, Croen qui est mort. Croen qui est mort. Ça, c'est bien. Arcanor qui sécurise le kill. Oh, Eternal. Je pense qu'il s'en voulait un petit peu d'avoir charge. Eh oui, parce qu'il a il offre la flèche 4, c'est ça. Et derrière, le bunker qui a tout sauvé. Par contre, ça change tout ce kill. Il change tout ce double kill pour les Liquid. Ce qui va offrir ce fort mid et potentiellement un boss. Et le boss pour l'enlever de la carte aussi. Quand t'es tellement derrière comme ça en termes de shot, ce boss c'est vraiment impératif de l'enlever de la carte. Oh là là, ce fight. Oh, Eternal, heureusement, il a retourné la fight. Bien sûr. Hein. Parce que là, il a dû s'en vouloir. Hein. Ça a coûté tellement cher. Oh, cette flèche 4. Et il se fait pardonner, tu l'as dit. Même Arcanor aussi, hein, qui a une game difficile. Enfin, il devrait pas avoir une game difficile et il en chie. Il en chie, je trouve. Et là, il sécurise le kill. Même on a vu hein, sur Croen, il galérait un peu avec la désintégration. Et finalement, il le finit à la calamité, hein, le niveau 7 de Liming. C'est bien pour Liquid ça, parce qu'il commençait à souffrir. Ouais, au moins, ils peuvent récupérer ce fort. Mais on sent que Heroes Earth, en termes de macro, il domine cette partie. Ouais, parce que même avec les morts, souvent, bah. Ils dominent sur la top side, bot side, ça reste toujours en leur faveur. Donc voilà, on a trade l'effort, ok, mais ça reste du 4 pour 4 en termes de shot maintenant. C'est ça. On est égalité et encore avantage Heroes Earth parce que ce fort bot est très très low. Clairement, et si Heroes Earth à l'assise, ça risque d'être délicat hein, pour Liquid. Donc tant que ce fort est en place, c'est bien. Mais on n'a rien pour le réparer, hein. La seule mule du jeu, c'est Abattur, et Abattur il a été ban très logiquement. Et c'est pour ça qu'Eternal est bot. Hein. Eternal est là, déjà en place, côté européen.
Allez, on toque, casse porte Billy, l'incensi qui est mise, il va aller chercher Croen. Il l'a, Croen, il faut sécuriser le kill. Il s'est raté Arcaneur, ce qui va tuer Sport Billy malheureusement. La flèche sur la backlane, le bunker qui a été mis. Arcaneur qui loupe le one shot là-dessus. Ah, oh, c'était une offre qu'avait envoyé. Eternal qui a pas eu le temps stun, c'est dommage, hein, ça s'est joué à rien du tout. Ah, Sport Billy, coffre. C'est une offrande hein, qu'il a fait, Sport Billy. C'est une offrande. Ah, c'est dur. Et pas de bunker aussi pour sauver Sport Billy. Et là, c'est 8 shots potentiels pour les Heroes. Et ça va laisser le corps à 3 points de vie, malgré. Et c'est les sapeurs, parce que d'ailleurs, le fort bot il devrait tomber en faveur des Américains. Et 3 points de vie pour les Liquid. Et c'est les sapeurs. Et là, on voit les Heroes, évidemment. Les spectateurs qui sentent justement un vent favorable aux Américains. Les sapeurs sont envoyés. Le fort bot va être récupéré par le champion d'Amérique. Et maintenant, t'as des sapeurs qui arrivent justement et qui pourraient terminer cette partie s'ils passent. Eh oui, 3 tirs. Et t'as un cocon potentiellement. Ah, va falloir vraiment, vraiment faire attention. C'est la map qui comeback. C'est là où t'es content d'avoir enlevé le boss. Là, vraiment, t'es content d'avoir enlevé ce boss. C'est ça. Côté Liquid, parce que là, c'était probablement la game avec ce boss. Mais c'est dur, hein. C'est dur parce que tu as justement côté Liquid. Là, ça sent très très mauvais. Après, on a de la défense pour les sapeurs. Fini, hein. C'est jamais fini sur cette carte. Arcaneur, j'ai l'impression qu'il galère. Hein. Même les sapeurs, il arrive pas à les. Il doit être sous pression. Ouais, aussi, ouais. Hein. C'est clair. Parce qu'il était habitué en tant que wildcards à pas forcément aller très loin. Et là, il y a le public aussi qui est contre lui. Hein. Forcément, on l'entend. Et on rappelle, c'est une carte importante, Arcaneur maintenant. Il a c'est eux qu'on choisit, c'est Liquid qui a choisi la map. C'est une partie de. Du draft hein, et du shot calling aussi, Arcaneur, mais de rien, beaucoup d'apport dans l'équipe, beaucoup d'importance. Et c'est du BO3, c'est balle de match direct, hein, et c'est la carte de Liquid. Tu pourrais pas finir comme Shumpy au final. Ça. Je pense qu'il y a une ressemblance entre Arcaneur et Shumpy, parce que si Arcaneur commence à faire. Oh faut faire gaffe là, hein. Arcaneur, attention, hein. Ouais, attention. Il faut aussi récupérer ça. Ouais. Non, bien parce que sûr. Là, le contrôle de la botlane, on peut le rappeler, mais c'est. Les hôtels, c'est très difficile d'accès une fois qu'il y a le fort qui a récupéré. Là, on voit, il n'y a que deux chemins. C'est soit mid, soit tu passes par ce petit couloir. Le problème, c'est que ce petit couloir contre Mayhem, c'est plutôt risqué. C'est clair, c'est du suicide. Et Hbook qui prend pas de risque. Voilà, il zone tellement haut. Attention, Eternal. Ouh oh là. Allez, Sport Billy qui va essayer peut-être de trouver une engage. Le taunt, Camille, Hbook. Ça tient grâce à la purge. Les JD Carlat de balancer par New Rock. Cocon. Ah, Cocon qui sera bien. Mais il reste beaucoup d'ulti côté Heroes. Il reste justement le caveau. Il faut tomber. Arcaneur va tomber le Forbot. C'est bien pour Liquid. Ça, c'est très très bien pour Liquid. On est sur la map du comeback aussi. Un tour du destin. Exactement. Et là, Heroes qui est en retrait. Hein. Attention, le stun net. Oh, il a ramené deux. Sport Billy. Attention, BBG. BBG, il faut prendre le kill sur BBG. Arcaneur, c'est à toi. Ah, il l'a pas fait. Malheureusement, Arcaneur. Attention, Sport Billy qui continue. Il y a le taunt bientôt. Dans 15 secondes, il y a le taunt aussi pour Sport Billy. Ishbook est pas bien. Ishbook. Arcaneur qui rate son combo. Et les mines qui tombent. Arcaneur qui tombe alors qu'il avait le kill potentiellement. C'est doublé pour Homicidal. Et là, c'est gagné probablement pour les Américains. Le taunt qui part. Aïe aïe aïe, Arcaneur, tellement en souffrance, et c'est le 1-0 pour Heroes, Homicidal qui va continuer, et la vulnérabilité qui part, et c'est le kill à l'aliénation de DAK, 1-0. Et ce caveau qui a été oublié, malgré, je l'ai dit pendant un teamfight, le caveau a été oublié, il a fait tellement mal sur cette Liming. Et il a raté son combo en plus, parce que limite s'il meurt, c'est pas grave, il avait le reset, il aurait pu out, mais il meurt. Aïe aïe aïe, Arcaneur qui a eu du mal. Hein. Sport Billy qui aura offert un caviar avec ce triple. Enfin, au final, avec le 16, il a stun 3 personnes puisqu'il a envoyé 2 joueurs d'Heroes sur le tremble-terre. Donc, avec le 16, il l'envoie sur Anub. Il y a eu des soucis, il y a eu le bunker envoyé trop tôt aussi. Et BBG doit mourir. BBG doit mourir, il est ralenti par Eternal. Ouais, mais c'est pas si grave si personne meurt tant que t'as tes CD défensifs contre Mayhem. Ouais, ouais, ouais. Et là, on voit que le bunker avait été envoyé rapidement. Et derrière. Liquid a oublié le caveau. Ils ont littéralement oublié le caveau qui a fait la différence sur la team fight. Et c'est même pour ça que j'ai envie justement moi de mettre Omi MVP. Ah mais même à la fin, là le fight, fini la fight. Le fight final il a été exceptionnel. Mais oui, il a tué enfin, tout le vraiment, monde. Il a... C'est lui qui a attrapé Arcaneur. Après Arcaneur, je suis d'accord avec toi, il n'aurait pas dû se faire attraper autant. Et surtout, même s'il se fait attraper, s'il a le kill, il peut TP out du caveau. Le problème c'est qu'il rate offensivement et défensivement. Il passe à côté de sa game malheureusement. Surtout que Sport Billy a eu une game très dure avec Garrosh et il a franchement fait le café. We'll be right back.
Ce sera Comté du Dragon, choix de carte, Heroes. Et ils sont bons dessus. Ah, j'ai peur. Ah, j'ai vraiment peur pour Liquid parce que. C'est leur meilleure carte, je crois d'ailleurs. Non, mais ils peuvent tout faire là-dessus. Hein. Sur cette carte, ils peuvent tout faire. Puis on a vu qu'ils avaient imposé le tempo hein, sur la game d'avant. Ils avaient imposé le tempo, ce qui a créé la tempête chez Liquid. Tempo Storm, alors... évidemment. Non, mais le, ils ont clairement eu les rênes, on va dire, la main mise sur la macro. Donc attention, Liquid. Alors, je me rappelle plus des cartes justement contre Tempest. Alors, je sais qu'il y a eu le Tower of Doom, bien évidemment, on s'en rappellera toujours. C'était. Ah non, non. Tower of Doom, c'était dit contre Dignitas. Non, c'était aussi contre Tempest, puisque. Ah, ouais, c'était la première. Tempest... La deuxième, c'était Spider. C'était Spider ? Ouais, la deuxième, c'était Spider. J'en suis sûr. Ah oui, c'est vrai, ils ont même galéré sans Spider. Ça a été un peu plus serré, je dirais. Mais ouais, Mais ouais. C'est vrai que c'est une carte qui fait peur parce qu'il y a aussi Tempo Storm hein, qui était très très fort sur Dragon Shire à un moment donné en Amérique. Et c'est vrai qu'ils apprécient plutôt pas mal Dragon Shire en Amérique globalement. Mais en Europe, c'est une carte qu'on apprécie beaucoup. Et Liquid, beaucoup, hein. Par exemple, on peut se rappeler du Liquid Method à l'époque où Method était très très chaud. Oui. Et c'était un BO très serré. Hein. Il y avait deux partout, dernière map Dragon Shire. Et c'était justement Liquid qui avait fait la différence et qui avait gagné le BO. Et Liquid qui a ban au final à battre et Zeratul. Encore une fois. Ouais. Sachant que du côté d'Heroes, Genji Maiev d'enlever. Et c'est un first pick Tyrand. Côté Liquid, donc l'un des supports avec le plus gros win rate de ces championnats du monde, qui a été récupéré. On n'a pas réussi à punir BBG hein, sur la game d'avant, et pourtant il y avait des occasions. Mais BBG qui aura mis des très bonnes purges. Hein. Ouais, mais il y a eu des moments où il aurait dû se faire punir. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais les purges étaient très importantes aussi sur le taunt de Garrosh. Alors évidemment, parfois Sport Billy a très bien isolé quelqu'un. Franchement, et... il a eu une game très dure. J'avoue qu'au début il a galéré, c'est et normal. Dès qu'il a eu le 10, il a dit ok, c'est fini maintenant. Oh, il a réussi à choper Ishbu, il a réussi à. Ces safe clean c'était vraiment intéressante en fait sur Garrosh. Elles étaient à la fois défensive et offensive en fait. C'était très intéressant. En tout cas, Garrosh Hanzo justement t'en parlais, récupéré par les Heroes et Jaina pour AzuOps. La Jaina avait fait mal contre Genji. Jaina pour Azu et Anubarak du coup pour Sport Billy très probablement. Les mêlées qui sont cachées. Très souvent on voit les mêlées dans les premières rotations. Et on commence à les laisser maintenant que Blaze et Irel ont été un petit peu nerfs, on change son fusil d'épaule, j'ai l'impression, TR, au niveau de la manière de drafter, je dirais, ses compositions. Parce qu'avant, on voyait Blaze Irel très tôt, puisque voilà, il pouvait tout faire. Avec les nerfs, oui. On le voit moins. Les solo laners ont été énormément impactés avec ces changements, ça c'est clair et net. Blaze, on le voit quand même un peu plus. Irel, on l'a voyé tout le temps, maintenant c'est plus Blaze qui ressort, mine de rien. Et là, on a aussi Diablo, mine de rien, qui n'a pas encore été pick ni ban. Mais c'est parce qu'on a récupéré le Garrosh aussi très rapidement côté. Et le Anub aussi. Côté Heroes. Et forcément, comme on peut plus récupérer les Soliners très tôt, on repart sur les tanks. Et Diablo, bah, on sait qu'il se fait contrer très facilement. On a vu même maintenant les Antilles, mais à l'époque, il y avait aussi voilà, du Thrall, du Raynor, des Ticus, des trucs qui le font fondre. Bah, après, ils auraient pu potentiellement renforcer le Diablo avec un Blaze, des choses comme ça. On voit d'ailleurs très souvent ce genre de choses hein, avec un Diablo. Ouais, pour lui permettre de repartir. Avoir voilà, plus de survie pour le Diablo, du coup il peut s'exprimer comme habituellement il le fait. Et là, c'est vrai qu'on a quand même préféré jouer autrement côté Liquid avec cette Tyrande, cette Anub. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, le trio que tu vois ici, c'est probablement les plus gros win rate des Worlds. Anub, Tyrande, Jaina. Ouais. Ils ont tous des excellents win rate à l'heure actuelle. Et au passage, ban Valyra. On n'a pas sous-estimé le. Oh bah voilà Liquid qui va sortir les Vikings perdus de récupérer et Tracer pour Arcaneur. Voilà, le clone de TRQ est pas content. Il fait Grismin, le coach des Heroes, Cotton Luck. On va voir maintenant ce dernier pick. Mais ils avaient ban Valyra aussi, hein, qui avait été récupéré par les Heroes. Ah, là c'est bien. Là ça me fait plaisir. Là c'est bien parce que ça veut dire qu'on n'a pas oublié non plus. On n'a pas oublié justement la force d'AzuOps. Hein. La force d'AzuOps. Et ça fait plaisir parce que je pense que c'est comme ça que Liquid doit jouer. C'est. Là, Arcaneur a pas forcément brillé. Et du coup, tu sors une autre carte, une autre énorme force de Liquid. Tu sors justement AzuOps avec ses Vikings. Et tu joues un petit peu sur les deux points forts. Arcaneur a quand même un pick qui peut faire les plays, Tracer. Et on lui offre de l'espace avec ses Vikings. Tu sais ce qui est trop drôle, c'est mais que. Attends, en fait, non. Attends, mais c'est Eternal qui va le jouer. Ah non, Eternal va jouer. Va jouer Tracer en fait. Ouais, je pense. Eternal va jouer Tracer et Arcaneur va jouer Jaina. Très probablement. Oui. Parce qu'au final, il n'y a pas de mêlée. Il n'y a qu'un seul. Mais tu sais ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, Liquid à l'époque,
c'est les premiers à avoir justement joué du Viking sur Dragonshire. Oui, c'est vrai. C'était pas du tout le même Chad. Monster. C'était Chad à l'époque. C'est incroyable. Hein, non, mais de toute façon, il y a un truc. Hein. Quand vous voulez rejoindre Team Liquid sur Heroes of the Faut Storm, il y a un contrat, c'est Viking. C'est obligé. Tu sais, c'est presque au lieu de mettre une licorne, tu sais, enfin un cheval pour Liquid, ils devraient mettre un barbare, tu sais, les Vikings un petit peu. Genre, c'est vraiment obligé. Ils devraient changer parce que. Et en plus, c'est la mascotte. Hein. Avant ça, tu as Lucifron et Vortix qui jouaient aussi les Vikings. C'est ça. Que des compositions de Vikings. Et c'est vrai que ça pourrait faire très très mal ici les Vikings. Moi j'aime bien ce draft honnêtement. C'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir parce que t'as pas forcément de mêlée, mais Vikings ça peut très bien solo lane. Et Azuops, je pense que il va probablement surprendre. Et il va triple mêlée, il va triple Viking top alors ou pas normalement? Oui. C'est ce que vous êtes chat, triple Viking et peut-être avec un qui vient récupérer mid pour laisser à Tracer l'opportunité de faire l'essuie-glace. L'avantage en fait c'est que t'as pas besoin de quelqu'un pour gérer le dragon. C'est-à-dire qu'en fait, un viking va menacer potentiellement le dragon. Alors sur Dragonshire, parfois t'as du 4v4 sur la botlane et tu laisses les temples parce que tu dis il y a personne mid, ils peuvent pas prendre le dragon. Là, tu auras probablement un petit Eric. En tout cas, on est parti pour cette deuxième game, mon cher TR. Les joueurs d'Heroes contre les Liquid. Et on va retrouver sur côté Heroes vs Missidol sur le Phoenix. Blaze qui sera joué par McIntyre, Throen sur Anzo, BBG sur Descartes Kane et enfin Ishbu sur Garrosh. Oh, c'est incroyable ce qui se passe côté Liquid, c'est Eternal sur les Vikings, wow. Alors qu'ils ont Azuops, Sport Billy sur Anubarak, Nurok sur Tyrande. Alors par contre, j'ai pas vu les deux autres, mais je pense Sport Billy sur Jaina et Arcaneur. Non, Sport Billy sur Anub. C'est Azu. Pardon, Azuops sur Jaina et Arcaneur sur Tracer. Incroyable, Eternal qui va jouer Viking alors qu'il y a... Mais c'était encore une fois, je pense qu'ils se sont entraînés à faire ça parce que peut-être que c'était trop transparent si c'était Azu qui devait les jouer. Alors que là, tu t'y attends pas du tout à ces Vikings. Tu vois le pick Jaina. Oh, attention, Sport Billy qui prend pas de risque. Et attention, il y a l'arrivée d'Arcaneur d'ailleurs. Parce que je pense que l'idée c'est ça. Tu vois Jaina Tracer, tu te dis c'est bon, on a le pick d'Azu et le pick d'Arcaneur. Donc tu penses pas aux Vikings. Et je pense que c'est l'idée du côté Liquid, c'est vraiment de surprendre. En tout cas, ça va là, faire. Ça va faire du bien. Self cleanse de récupérer pour le Blaze cette fois-ci, dans cette partie. Oh la vache, la rotation. Facile. Côté Liquid. Facile par Romy, bien sûr. Et du coup, il y a deux Vikings top et un mid, c'est ce qu'on évoquait. Alors, parce qu'il y a aussi, c'est ce que Chad aimait bien faire, hein, l'ancien joueur de Vikings chez Team Liquid qui joue chez Roll20 maintenant, c'était aussi le proxy avec les Vikings. Alors, le proxy, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est, même si bon, là, il n'est pas fait. C'est une gestion des vagues qui est quand même aussi importante et qui pourrait être faite par Eternal avec ces Vikings. Donc, ouais, ça consiste à aller chercher. Ah, ils vont pas vouloir te laisser l'expliquer. Attention, Ishbu, la bombe sur Ishbu. Et derrière, c'est Anubarak qui tombe, Sport Billy. Côté Heroeser, ça pas grand chose, mais ça tient. Ah, la bombe fait pas encore assez mal, malheureusement. Mais oui, le proxy, évidemment, ça consiste justement à récupérer la vague, justement, de minions derrière le fort ennemi. Quasiment sur le pont à la top. Généralement, c'est fait pour éviter l'affrontement. C'est-à-dire que l'autre va rester sur sa lane, et toi, en fait, tu vas prendre la vague pour éviter l'affrontement. Mais là, c'est pas ce qui est fait. Hein. Là, on a un Viking qui bah, tout simplement push. Là, la menace, c'est le dragon, bien évidemment. Ouais, ça, Eric qui récupère tout le temps le point. Et Olaf qui soak mid, du coup les 4 joueurs de Liquid peuvent être là, attention. Justement Ishbu menacé. Il n'y a pas de bombe encore côté Tracer heureusement. Et là c'est incroyable parce que là voilà, on voit le Viking qui est en train de sauver la mid lane alors qu'Heroeser ça a personne justement sur cette mid lane pour l'instant. C'est ça, il s'impose un rythme insoutenable. Envoyer Phoenix à chaque fois et ça laisse un 4v3. Surtout que même Phoenix est exposé au final, attention Ishbu, là Ishbu est mort. Là Ishbu est mort, c'est certain. Et voilà, tu le disais, Liquid qui impose le tempo, grosse agression sur cette bot lane, même Phoenix, attention hein, sur ces décals. Attention, Croen qui est mort. Oh là 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 là, Croen qui s'oublie pendant qu'on perd Olaf sur la mid lane, mais ça va aller. Tracer va pouvoir décaler. Mais attention, Croen. Eh oui, Anzo, ok, ça a de l'escape avec le saut, mais s'il n'y a pas de mur à proximité, bah, c'est une mort instante. 4 joueurs de Liquid qui. Attention aussi à Garrosh, hein, mine de rien, parce que. Voilà, il y a du 4v3, il y a du 4v3 pour les Liquid. Ça va arriver assez souvent ce genre de situation. Et là, Ishbu, il a été beaucoup trop loin tout à l'heure. Un premier Drake. Alors, ce sera Arcaneur qui pourra le récupérer. Alors, dommage que c'est pas un Viking. Ouais, bien sûr, ce serait plus rentable avec un Viking. Parce que là, tu perds une personne en fait. Et puis, c'est une personne importante, c'est la Tracer, c'est celle qui va mettre cette graine de folie, je dirais. Qui ouais, peut assurer un kill. Voilà l'avantage hein, de mettre un Viking dans le dragon, bah, c'est juste trop fort. T'as l'impression d'être à 6 contre 5 en fait, c'est simplement. Ça parce que le dragon c'est quand même censé être quelque chose d'impactant, tu perds quelqu'un pour gagner un dragon, c'est presque un sacrifice en fait, c'est presque une offrande. Là, t'offres un viking, t'en as encore deux autres, donc il n'y a pas de souci. Et là mais... on va prendre le wall sur la bot lane.
Et mine de rien, Blaze il en chie hein, sur la top lane. Hein. Bah, en Balrog, fait, il peut pas. Balrog ça dépouche plutôt bien. Et il peut pas jouer le point en fait, c'est impossible. Ouais, bah ouais, c'est ça. Il y a toujours Eric sur le point, et Eric il est intuable aussi. Hein. Tu sais, avec ce niveau 4 justement. C'est ça, à chaque fois, à chaque déplacement, il regagne justement des PV. Alors qu'on a le spin to win, hein, le tourner c'est gagné côté Viking qui fait beaucoup de dégâts et qui a meilleur du wave clear d'ailleurs. Hein. Est-ce que tu peux l'utiliser pour des push aussi? C'est ça, ça va donner du wave clear à Olaf hein, et Eric. Ouais, et on a côté Liquid. Alors les niveaux 7, sinon pas trop de surprises. Côté Heroes Earth, Torch Earl dans la mêlée, non, ça reste classique aussi, ça reste classique. Mais attention, petite avance d'XP pour les Liquid. Mais le pire c'est qu'on pourrait se dire ouais Viking c'est bien pour l'early parce que ça te permet de récupérer de l'XP. Mais en late, t'as un global en fait. Hein. Tu crois pas que c'est une situation où Blaze aurait pu prendre les gants sur cette game? Les gants incinérateurs, ouais, pour avoir encore plus pour de gérer mieux les Vikings. Ouais peut-être, ouais, peut-être, effectivement. Après torcher en plus c'est dur hein, contre les Vikings hein. Ils ont tellement une hitbox, un socle après, très très court. C'est vrai que ça push bien aussi torcher. Quand la vague arrive alignée. Et là c'est bien ce que fait Heroes Earth. Ils forcent justement à 5. Ils ont compris qu'ils gagnaient pas sur la macro. Ils gagnaient pas justement sur le split hein, puisque les Vikings sont beaucoup trop impactants. Et du coup et top là, lane. Ils utilisent le hard camp extrêmement bien. Et ils vont vouloir continuer. Ils vont vouloir même continuer. Ils ont raison hein, ils ont raison. Attention par contre, attention, Ishbuk a pris un 50% PV. Surtout que nous, on en a pas trop parlé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais Jaina c'est très fort contre Garrosh. Et il y a le bouclier anti-sort là. Hein. C'est là où tu vois l'intelligence de jeu aussi d'Heroes Earth. Hein. Clairement. Vraiment, très très bon choix. Parce que c'est ballsy hein. Parce que là ils sont en train de tout perdre top. S'il y avait une belle défense côté Liquid, c'était compliqué. Il y a encore le 20% de spell shield avec ce hard camp. Sans le niveau 10, ils sont déjà en train de siège le T2. Dragonshire, par contre, deux attention. Équipes très intelligentes. Est-ce qu'on va les laisser partir? Ça la question aussi, sachant que le 10 arrive très vite avec ces Vikings. Eh oui, ils ont récupéré top en plus. Et là le dragon, oh dommage, Olaf, je sais pas si t'as vu, Olaf il voulait prendre bot en sneaky. Ouais mais c'est pas passé, et c'est si pas passé. Jamais mais attention, hein, bah, les Hogs pendant ce temps, ah, ils font trop aussi, hein. On va égaliser en top lane. Hein. Oh là là, cette game qui s'emballe, hein. Très souvent on disait ouais avec la nouvelle méta Dragonshire, c'est peut-être un peu plus, c'est un peu moins rythmé. Bah là, de toute façon t'as la meilleure équipe du monde avec Vikings. Hein. Là, ouais, t'as clairement la meilleure équipe. Ah, après Dimitas avait proposé un Viking. Ouais, mais je pense pas. Je pense que. En termes de stratégie, ouais, c'est ouais, sûr. Je pense qu'ils sont. Et voilà. Là. Un dragon et pour voilà. Les Liquid. Et le public qui ne dit rien. Si, on entend 2-3 personnes. Ouais, très loin. Très très loin, vraiment. Ils sont peut-être même en Europe en fait. En fait, c'est tout le staff, tu sais, de Team Liquid. Non, mais clairement. Là, forcément, ils doivent faire Grismin, les Heroes Earth. Après, ils ont pas le 10. Hein. Ils n'avaient pas le 10, bien forcément sûr, c'était impossible de jouer, de contester ce dragon. Mais ce schéma de jeu pourrait se reproduire en late game. Hein. Viking en late, bah t'en as un sur chaque point, après, bah, un c'est qui récupère. C'est ça. L'avantage, c'est que tu auras très souvent les dragons. Par contre, en teamfight, les Vikings sont quand même moins forts qu'un héros normal en late game, bien évidemment. Mais en termes de macro, c'est excellent. Après, attention quand même, bien joué Smart Billy. On pourrait peut-être se retourner sur Ishbu, la bombe, la pointe quantique qui est utilisée, mais ça va aller. Et on met Bylock sur la top lane pour aller dépoucher un camp. Par contre, on va pas prendre beaucoup plus. Non, clairement. Après, attention quand même à pas sous-estimer. Attention, Azuop c'est loin. Azuop c'est quand même loin de son équipe. Une flèche peut-être de Croen. Non, ça va pas être mis. Ça va être mis, on va perdre quand même. Eternal c'est bien. Le Olaf, il se sacrifie justement pour protéger Jaina. Parce que là, Azuop honnêtement. Il était très avancé, ouais, c'est vrai. Il était vraiment. Après, position. Je sais pas s'ils avaient la vision, les Heroes. Si, parce qu'il y avait 1000 flèches. Ah, il y avait 1000 flèches, ok. Je pense qu'ils ont hésité, hein. Vraiment. Je pense qu'ils ont hésité. Mais après. Là, encore une fois, dans cette composition. Tracer est vraiment safe par exemple. Oh attention, le one shot qui pourrait partir sur le garage. Ishbu, attention. Ishbu, ça tient pour le moment, pour le tank des Rosers. Oh la salve, ça qui fait mal les Sport Billy, qui tient bon la torchère, qui fait la diff là-dessus. Le niveau 7 de Blaze. Ah, ils vont resiéger bot, ils vont probablement essayer de resiéger peut-être. Non, ils pourront pas, il n'y a pas de camp. Attention. Ça va, c'est pas si grave pour les Queens, faut pas oublier, voilà, on voit le Baylog. Hein. On ouais. voit le Baylog aussi sur la top lane. Hein. Depuis tout à l'heure, lui il récupère d'XP et on voit l'XP qui augmente à chaque fois pour les Liquid. L'écart augmente, on a quasiment un niveau et demi d'avance pour les Queens. Après, quand même, je tiens à dire, Viking, on pourrait dire voilà, ça sert que sur la macro, etc. On se rappelle de Chad aussi, hein. Et de Wubi quand il a joué Liquid, enfin quand il a joué Liquid, pardon, quand il a, c'est lapsus, quand il a joué Viking. On se rappelle que les trois Vikings ensemble sur un carry genre bah, sur Hanzo, ça peut faire très mal. Ça peut faire mal, mais t'as besoin de bien scale. Évidemment. Faut pas perdre ton ascendant en fait, parce que sinon derrière c'est très dur de forcer les choses en fait. Quand c'est les autres qui doivent forcer, forcément Viking peut avoir un peu plus d'impact. Mais si tu te retrouves derrière avec Viking, et là c'est quand même compliqué. Ah, ils vont refaire la même. Voilà, les Heroes vont faire la même, ils vont faire sur Hardcamp.
essayer de siège avec, je pense, à 5. Après, attention, Baleog, il est déjà en train de siège le, ouais, les défenses du T2. Ils et sont en plus, c'est un hard camp hein, sur la top lane qui va faire très très mal. Il arrive. C'est bien vu. Et il n'y a pas le 13. Et en plus, il n'y a pas le 13. Ce qui fait qu'ils vont même. Ils vont peut-être tenter de le faire. Ils vont quand même tenter. On veut choper Eric. Ouais, l'invulnérabilité. Ah, le niveau 13. Ah, ça par contre, il faut absolument le finir. C'est dangereux, c'est dangereux. Il faut faire vite, 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 vite. Prendre Billy, c'est bien. Le A. L'empalé. Ouais, on prend pas de risque. La charge enfouie. Le hard. Et le dragon. Regarde Eric. Regarde Eric. Le petit sneaky. Le petit renard là. Oh là là, il va y aller. Il va aller le chercher. Hein. Il va aller le chercher. Et il va les corps. Il va les corps sur la top lane pendant qu'il y aura un base race. Ça va base race peut-être. Les Vikings qui vont aller chercher le dragon. On va essayer de finir peut-être côté Rosers. Oh, ça va aller très vite là, ça va s'accélérer comme pas possible. Ishbook essaye de trouver. Eh oui, ils peuvent pas reculer, c'est trop tard maintenant. Rosers, oh là là, ça va s'accélérer. 10 minutes de jeu, ils vont aller sur le corps, les Américains. Et les Liquid aussi, par contre, le dragon qui va bot, il prend pas de. Il va pas top. Ou deux keep, il veut deux keep. Ils veulent deux keep. Deux keep contre un. Ouais, mais Rosers va vouloir finir. Attention, le stun de McIntyre, la flèche qui touchera seulement Arcaner. On n'est pas bien du côté de China. Asiops, Asiops qui tiendra pas. Asiops qui tient pas. On va sur le corps, côté Liquid. On est pas en retard. On est en retard côté européen. Est-ce qu'on pourra finir côté Rosers? Ça semble malgré difficile, mais il y a plus de China. Il faut ramener des Vikings peut-être. Le slip qui a pas touché. C'est des. Il part Sport Billy. La charge enfouie. Viking qui arrive. La bombe qui est ratée. Le play again pour ramener tout le monde dans la défense. Ils sont haut. Croen qui prend cher. Blaze qui tombe. Et pendant ce temps, le corps qui prend des dégâts. Après, le dragon a plus beaucoup de PV. Ishbook est pas bien. Ishbook qui va mourir. Ouais, là-dessus. Il y a deux morts. Ah, oh, ça s'accélère comme pas possible. Hein. Sachant que le T2 avait pris cher top, on va vouloir y aller. Sport Billy la monture. Il y a pas de cocon, ouais, mais sur, dans 10 sur un autre. Olaf, regarde Olaf, il va les dismount. Il va arriver sur le côté. Il n'y a pas le 16, mais le 16 arrive. Il y aura le stun bientôt. Des cartes qui est mort, c'est certain. Mais Eternal, il prépare l'après. On pourra pas faire plus. Il n'y a pas le 16. Le stun qui aurait pu faire du bien. Oh, c'est incroyable ce que vient de faire Liquid. Cette game extraordinaire. Cette game est juste formidable en termes. Mais regarde l'XP, regarde l'XP, mal gars. C'est deux niveaux quasiment et demi d'avance et un T2 d'ouvert et de fragiliser top. Alors là, c'est là où on voit la richesse du Rose en termes de stratégie. Qu'est-ce que c'est bien fait, mais de chaque côté en plus hein. Et là le public qui parle moins. Non, je... Attention. Oh, le dans la mêlée qui sauve Anzo. Oh, cette pointe quantique. Oh, cette pointe quantique qui aurait pu faire très mal. Et ils vont aller chercher le T2. Ils vont forcer le T2. Attention, c'est risqué. Hein. T'as des Vikings. Hein. C'est pas non plus le meilleur 5v5. Ils devraient. Voilà, ils vont pas y aller. C'est quand même très risqué de faire ça. Par contre, ils peuvent aller chercher le Easybot. Non, mais là, faut jouer dragon. Hein. Vraiment. Hein. Ouais, puis aller chercher le Easybot. Ils peuvent pas le jouer. Erosers peut pas jouer dragon. Et, ouais. Ça, c'est... Et là, maintenant, on le rappelle, le dragon en termes de scaling, c'est gigantesque. En late game, le dragon peut solo le corps. Et là, la carte est rouge. Là, le Easy qui est pris. La situation précédente, Malga, à 3 levels de plus, Liquid avait tué le corps. Hein. C'est clair. Avec un dragon plus late, oui, hein, parce qu'on était à 10 minutes de game. Oui, donc le dragon, c'est ça, tu l'as dit, très fragile. Oh là là là, les deux corps à 12 minutes sur compté du dragon. Attention, attention, dans 20 secondes, il y a un nouveau dragon. Il y a le easy en plus. Easy plus catapulte, double easy plus catapulte. Oh là 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 là. Ah, cette game. Ah, ça fait toujours plaisir des Vikings. Hein. Ça fait vraiment plaisir pour voir ce genre de choses. Alors attention, parce que il y a déjà Bailock sur la top lane. Il attend. Jaina qui va prendre bot. Il cherche des chouquettes pour Olaf évidemment top lane. Et là c'est horrible. Là c'est horrible. La pression que tu vas avoir sur la map. On a des catapultes, un ici camp sur la top lane. Regarde Eric qui va aller mettre de la pression avec les. Il va dépêcher Kata avec ses. Et le 20, je pense qu'il va prendre le dépêche hein, au 20. Ouais, le Fureur du Nexus. Fureur du Nexus, ouais. Oui. Parce que ça marche. Alors faut savoir, Fureur du Nexus marche sur les 3 Vikings. Oui. Indépendamment. C'est-à-dire que sur la bot lane qui doit dépêcher. Et là, on va pouvoir forcer peut-être mid côté Liquid. Et le hard, hein, bot aussi. Qui... Oh là là, et Bailock sur la top lane. Oh, la map est rouge. La map est soviétique. C'est incroyable. Attention. Il n'y en a pas le 16 élémentaire pour zoner Ishbu. Attention. Oh, le flanking, il est bon. Est-ce qu'on pourra aller tuer Azuab? C'est fait. Le kill, double kill maintenant. Olaf qui est tombé. Faut reculer. Attention, Nurok. Nurok qui est pas bien. La bonne protection de Sport Billy. Il faut survivre. Le slip de BBG est pas passé. Attention, BBG qui a pris très cher. Il y a la bombe, hein. Non, il n'y a pas la bombe. Non, non, il l'a mis. Il l'a mis par contre top lane. Regarde. Le hard qui arrive. Oh là 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 là. Et pourtant, le flanking avait été super. McIntyre. Encore lui. Et le T2 top qui va tomber, malgré. Il y a beaucoup trop de creep. Par contre, je pense que Azu il attend avec impatience son next block. Ils doivent siège le corps. Il n'y a pas d'autre moyen. Là, ils vont aller chercher le hard. Ils vont justement utiliser le hard. Oh
Oh là 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 là. Parce que là, c'est un deuxième T2. Et regarde Viking, regarde Eric qui met l'impression. Il est en train de casser les catapultes. Ils vont siéger le corps avec ça. Mais ça veut dire qu'ils vont siège sans sbire, les joueurs d'Heroes. Ils sont avec pas le hard camp, exactement. Juste et il y a les catapultes pour défendre aussi. Et il faut corps, mais il faut le défendre. Personne défend. Oh là là, c'est échec et mat. Personne défend pour le moment. Ils vont tenter le Vatu. Leur Vatu. Le tout pour le tout qui va être lancé par Heroes, mais ils arrivent en retard. Le bouclier est déjà tombé. Et il y a Anubi sur le corps. Anubi va, Tracer et Tyrant, c'est parti pour le base rail. Mais c'est l'avantage des Européens, Arcaner, le play again demi. Et on va y aller, la pointe quantique qui touche, Phoenix qui tombe, en plus Jaina qui a pris le kill sur Phoenix. Azu qui a réussi à faire l'incroyable. Et le corps qui tombe, un partout entre les Européens et les Américains. Voilà Viking qui aura eu de l'impact, quel game spectaculaire. Vous avez demandé à Warcraft 4, le voilà. C'est une guerre stratégique, mais c'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est incroyable, échec et mat. Clairement. Échec et mat. Et non, clairement, c'est superbe. C'est des... Ça fait vraiment plaisir parce que tout à l'heure, on a eu des plans de jeu magnifiques entre les deux équipes de Genji et The One. Mais là, cette stratégie TR, superbe. C'est cartouche qu'a envoyé Liquid. Oh, ce match, mais on en voudrait plus des comme ça. Un partout, balle de match de chaque côté. C'est incroyable. Et un jeu d'échecs. C'était littéralement un jeu d'échecs. Et là, mais des deux côtés. Hein. Parce que la partie d'avant, c'était Heroes qui avait fait échec et match, justement. Et là. Liquid qui a dit, bah regardez, on va rajouter deux petits pions en plus sur l'échiquier et ça va faire la différence. Et je pense qu'il faudra un gros plan sur toi, TR, parce que là, tu as voilà, même les yeux, là, mais vraiment, ça fait plaisir. Non, mais ouais, en même temps, c'est game en termes de stratégie, c'est magnifique. C'est magnifique. On choisit la petite carte, justement, Spider Queen, deux choisis par les Américains. Tombe de la reine araignée, qui a été une carte qui a permis à Liquid d'arracher le match nul contre les joueurs de Genji, champion du monde en titre. Oui, exactement, mais... Alors attention, parce que la game n'était pas forcément évidente non plus pour les Liquid, hein. C'était une game très très longue hein, contre forcément, Genji. Forcément, contre Genji, c'est jamais évident. D'un autre côté aussi, ce qui est important, c'est... T'es pas sur une map à Viking. Donc ça c'est un point super super important quand même malgré ici. Et au final on est parti avec ce début de draft. Abatture de ban côté malgré tout hein, sur Spider Queen hein, malgré tout Abatture on respecte. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est la seule équipe qui avait proposé du Abatture en phase de poule en solo support sur Spider Queen. Genji Maiev de sortie et un ban Johanna d'ailleurs de fait par Liquid. Alors Zeratul encore open cette fois, mais encore une fois, c'est pas la meilleure map. C'est pas la meilleure map pour Zeratul. Il est pas si dégueu quand même. Mais dans ce genre de BO, honnêtement, ils sont capables de récupérer quasiment tout. Hein, parce que là... Puis là, quand même du wave clear Zeratul au final, il est pas... Bah en fait, le problème, c'est que c'est très late game. Et, ouais, et Spider Queen est une map qui peut snowball très vite si tu laisses quelques paiements. Ça, l'effet boule de neige qui qui peut tout simplement... faire office d'avalanche, tu la prends dans la tronche. Et en plus de ça, ok, Zeratul a du wave clear, mais quand il n'y a pas de vis-à-vis, quand il y a quelqu'un en face, c'est pas évident tu vois, pour lui d'aller justement se mettre au milieu de la vague. Donc on va voir, on pourrait potentiellement le voir, mais j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Maintenant, on va voir si Liquid nous a réservé une nouvelle surprise. Ah, la Jaina d'Azu. Viking, hein. Blaze Tyrande en tout cas, récupéré par les Rosers. Et Phoenix Jaina. Là, t'as tout simplement un auto-attaqueur et un mage, hein, Jaina le mage, Phoenix l'auto-attaqueur, et surtout un énorme wave clear de chaque côté. Phoenix est probablement un des auto-attaqueurs qui wave clear le mieux, donc il peut justement nettoyer ses vagues de sbires très rapidement. Jaina, bah, y a-t-il besoin de le rappeler hein, de toute façon, à partir du moment où il y a mage, la petite pancarte Probius, qui aurait pu, hein, c'est une carte
potentiellement très intéressante pour Bromius, mais visiblement pour le moment non. De toute façon, c'est pas le genre de carte, enfin c'est pas le genre de pick que tu abats tout de suite. Bah, Eternal et flex quand même, mine de rien, mais faut peut-être pas abuser. Faut pas pousser quand même. Pas pousser mémé dans les orties. Diablo et des cartes Kane d'enlever. Des cartes qui a été retirées par les Heroes. On sait que Nurok adore des cartes Kane sur cette carte. Et Liquid enlève Diablo. Double pick pour les Américains. Double pick pour les Américains. Et Tyrande a 100% de victoire pour l'instant dans le BO. Et Anub aussi. Hein. C'est Anub vrai. Et Tyrande qui gagne pour l'instant sur ce BO qui reste justement encore une fois dans le positif. Parce qu'on le rappelle, Tyrande a un win rate énorme pour l'instant. T'as vu la manière ou pas? Il y avait laissez jouer Mehdi, bande de pleurs. Ça, c'est Quartz, donc les Quartz tout simplement. On dit Quartz en français tout simplement. En tout cas, Hanzo et Anubarak. Anubarak, tu le disais, de nouveau récupéré. Et le Hanzo. Oh. Play of the game. Arthas, ma gars. Oui, Arthas. Encore pour, une fois. Pour Eternal cette fois. En off-tank, pas en main tank. Alors, il aura gagné justement avec. Avec justement les Genji tout à l'heure. Ouais, en main tank. Mais là, en mêlée, cette fois-ci, tu l'as dit. Mais ça n'a pas tant de wave clear que ça. Par ouais, contre, mais je pense côté Blaze. Ouais, je pense que contre Blaze, c'est pas mal. Et surtout que Blaze, il y a quand même des gros changements sur Blaze. Il y a eu des gros changements sur Blaze. Ah, il est là. Ouais, ouais. Le Zeratul a deux récupérés par les Heroes. Et on en avait parlé, il fait peur. La Speak, cette fois-ci. Et encore, là, les choix de cartes sont. Alors, sauf la première évidemment, mais les choix de cartes pour le moment est très impactant. Alors, ce last pick, cette dernière récupération qui tout à l'heure a proposé du Viking, là, c'est Zeratul. Attention parce que. Alors. Ah non, ils avaient. Non, je dis des bêtises puisque Liquid a gagné sur la map des Rosers, donc c'est faux. Ce que je dis. Il me fait moins peur, ce Zeratul. Il me fait quand même moins peur que sur des maps par exemple comme Doom où là il est pas forcément terrible. Là, putain, Garrosh pour le gérer aussi. Honnêtement, il me fait moins peur. Et d'un autre côté, le Malfurion est quand même très intéressant ici. Puisqu'on le rappelle, Tyrande ne peut pas cleanse les routes. Donc ça, c'est un point très important. C'est vrai. Contrairement à avant. Que le combo de Garrosh, même Tyrande a du mal à le sauver de quelqu'un du combo Garrosh, même si elle peut cleanse les slows par exemple. Et du coup, bah, on pourrait avoir une belle rotation CC justement avec le taunt, mais le root, du coup tu peux clean ce taunt mais pas le root de Malph, et ça pourrait faire la différence contrairement à la première partie. C'est vrai, j'ai hâte de voir Malph contre Zeratul. Est-ce qu'on part sur la tranquillité qui donne de l'armure? Est-ce qu'on part plutôt sur le silence? Je pense silence. Tu penses silence? T'as envie de burst quelqu'un rapidement. Tu casses le bunker avant même qu'il spawn potentiellement. C'est vrai. Alors, c'est pas si évident que ça non plus parce que voilà, le bunker ne peut pas se faire interrompre un petit peu comme les ultis trolls. La purge fonctionne sur le silence par contre. Ouais, c'est sûr, mais ça fait beaucoup de dégâts aussi. Ouais, bien sûr, pour les dégâts, c'est toujours du beurre supplémentaire. Hein, hâte de voir comment ça va se passer, mais c'est vrai que sur le draft là, je mettrais peut-être un petit peu plus Heroes en avant. J'aime beaucoup le draft d'Heroes. Mais du côté Liquid, t'as cette Arthas. Moi je préfère Liquid. Tu vois. Ouais, tu préfères celui de Liquid. Après, j'ai dit que Heroes allait gagner. Là, il n'y a pas forcément de pick qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc. Je vais quand même mettre Heroes. J'ai hâte de voir cette Arthas quand même. J'ai hâte de voir cette Arthas avec Jaina, les deux ensemble. Alors, on l'a vu tout à l'heure sur la cinématique de Warcraft 3 Remaster, ils étaient ensemble. Mais que ce soit dans le lore ou même dans le gameplay, c'est vrai que sur Heroes, ils fonctionnent très très bien les deux ensemble. Donc, hâte de voir. On a le Phoenix aussi hein, qui profite des slows, les dégâts supplémentaires sur le A et la salve qui fonctionne du coup sur Arthas. Non, hâte de voir. Niveau 7 évidemment sur le A. En tout cas, on est parti. Game décisive entre les Américains et les Européens. Et on va retrouver du côté des Heroes. McIntyre évidemment sur son Zeratul. BBG sur la Tyrande. Ijbu sur Anubarak. Homicidal sur le Blaze. Et enfin, Kroen sur Hanzo. Et du côté des Liquid, évidemment, la supporter crie pour Liquid, bien sûr. Nurok sur Malfurion. Eternal sur Arthas. Pornbilly sur Garrosh. Arcaneur sur le Phoenix et enfin Azuops sur Jaina. Ça fait vraiment plaisir en tout cas, même si bon voilà pour le moment forcément ils sont 100% pour les Américains hein, dans le public, les supporters, mais c'est cool. C'est vraiment cool de voir autant d'ambiance et surtout d'avoir les micros d'ambiance. Et du coup Liquid qui part sur l'assaut mobile au niveau 1, la quête sur le route qui peut être très très bien pour Arthas parce que Garrosh peut manquer d'initiation on va dire, d'initiative. Arthas peut choper quelqu'un de plus loin pour permettre à Garrosh de s'exprimer. Sinon, ouais, et puis la marque aussi au 13 hein, qui fera très très ouais, mal. On le rappelle, Tyrande ne cleanse pas les routes. Et là t'as Arthas plus Malph. Et route. La marque aussi.
la marque de Arthas au niveau 13 qui pourrait faire très très mal. Surtout que Liquid, ils aiment bien jouer comme ça, Liquid avec Garrosh. Hein. Ils aiment bien justement punir quelqu'un très rapidement. Et puis surtout la frontlane. Ah, c'est pas mal ce gang d'Arcaneur, mais c'est été bien bloqué par Amicidol qui avait encore son escape. Et surtout, comme tu l'évoques, 15% de dégâts pour Jaina. C'est plutôt violent hein, pour Jaina. Ça peut faire la différence parce qu'elle aussi va augmenter son burst avec son niveau 1. Parce que les globes, quand elle aura fini, elle augmente de 10% son. Ces dégâts, alors c'est tu passes de 50 à 60 si je dis pas de bêtises en termes de burst supplémentaire sur les cibles gelées. Alors ça ne marche que évidemment qu'avec le gel de Jaina, pas avec celui d'Arthas. Ah ça serait un peu fort quand même. Mais du coup tu montes à 75% de dégâts bonus. Parce que c'est 15% de vulnérabilité plus les 60 alors, de dégâts bonus. Non c'est pire que ça je crois. Parce que t'as les 60 passent après. Oui, c'est ça. En fait d'abord les 60% des dégâts de Jaina et derrière la marque de 15%. Donc c'est 15% du total de Jaina. C'est encore plus que ça. Ouais. C'est pas 75, ouais c'est plus que ça, tu l'as dit. En tout cas. Côté Roseverse, le niveau 1 classique, stimulant neuro d'ailleurs, hein, pas d'incensi. On n'a pas vu tant que ça, hein, malgré les nerfs hein, des stimulants neuro. C'est-à-dire c'est ce stim violet hein, qui réduit le temps de recharge des sorts. Pas d'incensi, malgré la tonne de contrôle. Côté Liquid, attention, Sport Billy qui chasse McIntyre. Mais on a réussi à payer du côté du Zeratul l'américain et alors, leur camp. Je me demande si c'est pas Omi qui joue pas ce niveau 1 peut-être aussi. Parce que juste avant, McIntyre nous a proposé une clean sur oui, un, c'est vrai. Et oh. Là, c'est. Oh le flank d'Eternal! Oh le flank d'Eternal! Croen qui est pas bien! Croen qui est slow, Eternal pourra pas sécuriser le kill, mais Omicidol aussi se fait attraper. Ça va être le premier sang pour les Européens. Omicidol qui tombe. Il s'est sacrifié, il s'est collé à Garrosh. Du coup, c'est évidemment, c'est lui qui se fait attraper. Par contre, clairement, tu pars pas. Hein. Si tu te fais choper par Garrosh et Arthas, tu ne pars pas. Et là encore, on a eu de la chance d'avoir un mur hein, du côté de Croen. Hein. Bah, le bunker va être très important encore une fois. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de base. Hein. Le bunker à l'heure actuelle est encore très fort. Et c'est vrai que ça pourrait faire du bien hein, à Erosers, que tu l'as dit. Arthas, Garrosh, tu risques pas de partir. Et Jaina aussi, hein, mine de rien. Ah, tellement ah, slow. C'est clair. Allez, Arcaneur qui va mettre de la pression. La Void. Hein. Le bunker et la Void, c'est vraiment la clé de Erosers ici. Hein. Alors là, on a pris le Groot. C'est rare qu'on l'ait eu sur ces Worlds. Le Groot plutôt que la zone du route. On a vu les deux beaucoup d'anti-heal parce qu'il y avait du Diablo. Très fort pour décap. Ouais, le détail. C'est très très fort pour détail hein, puisque parfois tu ne peux pas avoir la range pour les lunaires. Ou alors tu peux pas le faire constamment. Du coup tu mets ton Groot et ils sont obligés de le tuer avant de pouvoir repayer. Ouais parce que sinon le petit Tréant il va mettre des coups de tatane. Allez en attendant Eternal qui vient zone Omicidol. Ishbu qui va pouvoir payer ses 3 gemmes. Toujours important que le tank puisse poser. Mine de rien, c'est les tanks qui vont récupérer les gemmes, mais on peut pas toujours. Et on voit, hein, on voit Arthas qui fait mal. Et je me rappelle même avant les nerfs, je me rappelle d'un Arthas. Alors par contre, pour que Arthas soit vraiment un gros counter de Blaze, on voyait plutôt un Arthas avec, tu sais, le build auto-attaque d'Arthas. Et à ce moment-là, en build auto, il détruisait Blaze. Mais maintenant, avec les nerfs, peut-être qu'on a même plus besoin de, en fait, de se commit sur ce build. Je pense que il galère un petit peu au wave clear, mais derrière, Blaze, il wave clear trop vite. Oh, il se fait cancel. Oh, Omicidol, non, on va pas prendre de risque. Il y a le Hanub, on prend pas de risque. Par contre, ouais, bien joué. La charge enfouie, il fallait la faire. Mais Eternal va peut-être pouvoir payer. Hein. Et ça, c'est important parce que là, on est à 32 gemmes contre 29. Donc, c'est extrêmement serré en termes de paiement. Ouais, ils vont pas pouvoir, ils étaient quand même zonés. T'as mis de rien, tirant dans le zoo hein, en termes de vision aussi. Hein. N'oublions pas pour empêcher les paiements si t'as la vision. Primordial hein, sur cette carte, la vision. Pendant très longtemps, on voyait du Tassavar non-stop pour ce genre de boulot. Plus le détail, cette capacité d'empêcher. De poser les gemmes, Eternal qui a esquivé le Z, est-ce que ça suffira? Eternal qui est pas bien. Mais il y a l'armure pour le moment. Ça tient car Robustel Glacial et c'est Ishbu qui meurt. Il n'a pas pu repartir. Eternal qui tient son niveau 7 qui a fait la diff. Hein. Robustesse glaciale. Oh, Omicidol, le stun 2. Après Arthas, il est dans le slow. Il est dans le permaslow plus le route. Aïe, et c'est deux aïe. Kills. Et c'est pas terminé, Croen. Oh le kill. Ouhouhou. On s'en sort bien à côté Rosers. Et c'est un paiement Liquid du coup. Là, c'est Arthas. On pourra pas stopper ce paiement. Oh là là là. Voilà pourquoi hein, Robustesse Glaciale sur Arthas, on le rappelle, c'est 25 d'armure, mais également 75% de résistance au contrôle. Et là, Zeratul va devoir wave clear cette top lane. Pas aller contrôler Liquid justement. C'est pour et ça on va voir s'ils vont réussir à défendre, mais. Je pense qu'ils ont quand même beaucoup de wave clear côté, ouais, c'est sûr. Côté Erosers. Après Liquid, il y a de quoi pressuriser aussi avec ce Garrosh, avec ce Malfurion. Il suffit d'un petit pas de travers et on a vu que la punition arrivait très vite. Et puis Zeratul en early c'est pas très très fort. Hein. Et là forcément, dans ces situations là, il peut pas faire grand chose à part essayer de wave clear. Par contre le hardcamp très très bien timé. Hein. Il fait du bien pour cette défense. Là on voit
Ils atteignent même pas les tours, attention, ils jouent. Et en plus Zeratul est en train de wave 1 sur la top lane tout seul. Par contre, Arthas, très vite. Oh, Arthas qui est en train de full blaze hors Eternal en là, zone. Il rigole 0. Ouais, très très chaud. Hein. L'assassin mêlé, enfin le mêlé des liquides. Et au final, on a défendu quand même une des tours sur la mid lane. On en perd une top, une mid. Par contre, on a perdu le T1. On a perdu le fort hein, sur la voie du bas. Et finalement. Un niveau et demi d'avance, hein, quasiment le niveau 10 qui va arriver pour les liquides. C'est bien ça pour les Européens. C'est très, et ce qui est bien, c'est qu'on voit les gemmes. 54 gemmes pour les liquides. Ce qui fait qu'ils vont probablement pouvoir payer avant le niveau 10 des Rosers. Et ça pourrait commencer à snowball très fort. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y a l'LM aussi. Hein. Et l'LM qui est claqué d'ailleurs sur la top lane sur Zeratul. Oh, il a déjà trou de verre. Il a déjà trou de verre. McIntyre qui est mort. Super bah, l'initiative de Tassiop. Les gemmes, il en avait pas mal. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il en avait pas mal. Et ça, l'LM, on en parlait à l'époque où Jaina, on la voyait beaucoup, notamment sur le mid-season brawl. Mais Jaina, pour aider Arthas et Garrosh à trouver l'engage, l'élémentaire, il est excellent. Et là, on a vu Zeratul qui a trou de verre. Il a plus rien. Il se fait cueillir à la sortie. Superbe de la part d'Azuops. Et c'est un nouveau paiement pour les Liquids qui est en train d'arriver malgré l'Europe qui s'approche petit à petit. Une qualification pour la demi-finale. Et n'oublions pas qu'ils avaient, alors c'est pas tout à fait le même roster, mais Azu et Nurok ont fait partie de l'aventure d'un top 4 monde pour, à l'époque c'est MyInsanity. Ils avaient rencontré MVP Black, donc les actuels Genji, ça va être potentiellement, si jamais, attention, on est pas, c'est pas fini, mais ça pourrait être une revanche, puisqu'ils étaient déjà affrontés en demi-finale des championnats du monde. En tout cas, petite pause d'envoyer par les Heroesers. Alors c'est la pause tactique, non, non, pas du tout, il va y avoir un petit souci alors qu'on voit le public. Beaucoup de monde, hein, mine de rien, côté américain, et là on voit hein, les Heroesers, Glass Cannon, de demander, make NA great again. Il y a du monde, hein. Il y a clairement du monde. Et pour le moment, eh bien, c'est Liquid qui a les rênes de cette partie. Ouais, Liquid qui est à un niveau et demi d'avance, un nouveau paiement qui est en train d'arriver. Sans le niveau 10. C'est vrai que là, l'Amérique, le public, on l'entend plus. Hein. Ah, j'ai rien dit. Bon, après, il y a eu 2-3 Liquid. C'est parce qu'il passe à la caméra, forcément. Bien sûr. Mais ouais, c'est bien parti pour l'Europe. Et honnêtement, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que Liquid puisse s'approcher aussi proche d'une demi-finale. Parce que les phases de groupe étaient quand même pas forcément évidentes. Alors qu'Heroesers, ça proposait des choses vraiment excellentes. Mais là. Bah, tout simplement, ouais. Numéro 2 pour Heroesers sur les phases de groupe alors qu'il y avait Tempest. Liquid a fini 3ème. Mais d'un autre côté, Liquid a pris une game à Genji. Donc. Ouais. C'est vrai que. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit aussi chaud. En tout cas, très content de voir Liquid. Il y a un gros combat. Honnêtement, il y a un très gros combat entre ces deux équipes. C'est vraiment stratégique. C'est énormément basé sur le draft. Et c'est vrai que là, pour l'instant, Liquid est en train de snowball. Après, n'oublions pas, Zeratul, leur league game, c'est très faible. Ouais, bien sûr. La Void va vraiment être un outil principal, primordial hein, pour la composition des Heroesers. Donc voilà, faut voir ce que ça va donner à partir du 10 pour les Heroesers. C'est très loin d'être fini. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on a une équipe en demi-finale européenne contre Genji et que Digg passe derrière, ça ferait dans le top 4 deux équipes européennes. Ça pourrait être vraiment excellent pour l'Europe. Ouais, ça serait superbe. Ça serait superbe, surtout après cette game où ils étaient menés 1-0. Ouais, on les voit, on les voit. Je sais pas si t'as vu, il y avait déjà une pancarte nerf forfait, please. Ah, ils sont rapides. Hein. Ils sont très rapides. Ah, les Redditors, ils sont incroyables. Mais ils perdent pas de temps. Non, évidemment, c'était pour le troll. Bah, voilà, il est là, le nerf forfait. Mais non, ça fait plaisir hein, de voir Liquid aussi. Surtout que la première avait fait peur. La première, on avait senti Liquid, Arcaneur, passer à côté de sa game. On avait senti Liquid se faire bouffer sur la macro, qui est l'une des meilleures cartes de Liquid. La première, c'est ce que je m'attendais du BO global, tu vois. Ouais, moi aussi. Et quand j'ai vu la deuxième, j'ai fait, bon, ok, c'est pas fini. Et même le début de cette troisième, le pic Arthas. Après, attends. Encore une fois, un gros impact. Oui, c'est bien parti. Mais le niveau 10 de Heroesers peut changer énormément de choses. Parce qu'il y a la roue de Hanzo qui va faire très mal, la Void potentiellement. Alors, Malfurion a pris quoi? Je crois que c'est tranquille, je suis quasiment sûr. Ouais, la game qui reprend, les gars. Alors, oui, c'est bien tranquillité. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en late game, on a quand même Jaina. Alors, certes, Azeratul, mais en late game, Jaina, c'est très très violent, surtout avec l'LM. Hein. Parce qu'au niveau 20, t'as le mieux d'hiver. Ils vont avoir énormément de burst sur un lock, hein. Ils peuvent vraiment finir quelqu'un très rapidement. Mais d'un autre côté, la Void peut temporiser ce genre de choses. Bien sûr. Mais Arthas, hein, vraiment. T'as le bunker aussi derrière, qui va calmer les locks. T'as aussi le cocon on a vu pour calmer les offensives. Par contre, moi je suis. C'est pas pour rien qu'on l'a mis joueur clé Eternal. Hein. Je suis conquis par ce joueur. Oh, la flèche esquivée par Arcaneur, c'est bien. Et attention, peut-être une contre-attaque.
Eternal qui s'avance, le root qui a été mis, le stun qui va être purifié, le bunker forcé très tôt, le coco aussi, Eternal qui claque les ghouls à la sortie, attention le root 2. Ouais, ça va aller, ça va aller. C'est dégâts qu'il a mis avec sa Jaina. On a claqué tous les ulls côté Heroes, sauf la Void. Ouais, il y a encore la Void. Mais on a réussi à défendre le paiement aussi. Faut pas. Ouverture bot. C'est ça, mais on a quand même. Je crois que c'est Zeratul qui a des push à top lane. Ah, mais pendant cette agression, il a plus rien. L'automne demi sur la front line. Le root, salve de purification. Est-ce qu'on pourra contre-attaquer? Non, Scandelli qui a plus de PV. Mais ça tiendra. Zeratul n'était pas là. Et attention, même Eternal. Void, potentiellement. Ah, on va devoir reculer. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le 13. Donc, c'est le moment parfait pour Heroes. Mais ils viennent de perdre justement Blaze. Ah, là, c'est dur. Là, c'est très difficile parce que le 13 va tomber. Ok, t'as les gemmes pour payer. Mais c'est pas évident aussi d'avoir beaucoup de force avec ton paiement si en face t'as un talent d'avance. Deux niveaux d'avance hein, quasiment pour les Quid. Et un T2 d'ouvert sur la voie du bas. T2 bot lane ouvert. Alors, on peut rappeler le power spike de Zeratul qui va être très important dans cette partie, le niveau 16. Bien sûr. Où là, Zeratul va devenir beaucoup plus fort. Mais c'est vrai que temporiser jusqu'au niveau 16, on va voir si c'est possible. Attention, Eternal qui claque pas sa robustesse glaciale trop tôt. Alors, très important son niveau 7. Et paiement pour Heroes. Attention, par contre, un 13 qui va tomber incessamment sous peu pour les Liquid. Et là, c'est bien aussi ce que fait Heroes s'ils arrivent justement à avoir un petit paiement pour temporiser de late game, hein, mine de rien. Et Jaina qui hésite. L'armure pourrait être très forte contre Zeratul. Hein. S'il arrive à encaisser, derrière Zeratul il pourra pas tenir. Hein. J'aime bien. Ah, Vayne Glacial finalement. Le burst supplémentaire aussi. Hein. Vayne Glacial contre le bunker, c'est fort aussi, hein, mine de rien. Ça rend tellement de dégâts aussi pour tomber. Mais l'armure, en vrai, une des conditions de victoire de Heroes, c'est de tuer les carries. Parce qu'à ce moment-là, ils perdent beaucoup de DPS, les liquids, ils peuvent plus tenir. Ouais, mais je pense que s'ils l'atteignent, c'est déjà fini en fait. Ouais, peut-être. Et du coup, il se dit, bah, on va rester sur nos stratégies. Hein. Oh, si on le joue bien, on devrait pas avoir de problème. Par contre, tu parlais du wave clear d'Heroes, celui de Team Liquid avec Phoenix et Jaina. Mais surtout qu'ils ont pas le 13. Ce qui fait qu'ils sont obligés de jouer passivement. Ouais. Et là on voit en fait ils veulent juste gagner du temps en fait. Les Heroes, on le rappelle, hein, le Power Spike c'est au niveau 16 hein, entre Hanzo justement et Zeratul, c'est vraiment le Power Spike des Heroes. Il va mettre du temps à arriver. Et après ils ont Liquid, des gemmes. Il est pas mal, hein. Ils ont encore des gemmes. Liquid a plus trop de gemmes, il doit avoir 40 gemmes maintenant peut-être. 45 ouais. 45 attention, l'insensible de Sportville. On a claqué quand même les lems. Après c'est un court CD, c'est 60 secondes, mais en CD effectif c'est encore plus court que ça. Parce que là on le voit, hein, le CD a commencé alors que l'LM est toujours là, l'LM qui tombe. Du coup là ça fait 50 secondes CD, pour être exact. Alors on va essayer de placer des gemmes hein, côté Heroes. Oh attention, attention, il a plus d'incensi, il a plus d'incensi. Le taunt pour temporiser Spambili qu'on aura pas pu faire proc son niveau 13. Asiop ça tient, il y a l'arrivée d'Eternal sur le flanc, McIntyre qui est pas bien, le bunker. Il va pouvoir rentrer, Jaina, le cocon de mis sur Arthas pour partir. On prend pas de risque, cocon sur Arthas. On n'a pas le niveau 13, hein. C'est un kill très important pour Heroes qui maintenant se sécurise au niveau 13 et probablement un paiement. Et t'as vu cette Void juste pour enlever les 10 d'armure de la tranquille. Ouais, ouais. Parfait. Mais malheureusement, et les soins aussi, hein, mais malheureusement, là, Sportby, peut-être une petite erreur. Oh, route d'Eternal qui touche, il y a le 13 en plus pour la vulnérabilité. Attention, Eternal qui fait mal. On a claqué tous les ults du côté d'Heroes, si on le sait, côté Liquid, Azuops qui prend cher, la flèche qui touchera pas. Phoenix Yuin pour aller chercher McIntyre, je bouquais pas bien. McIntyre, c'est Eternal qui va aller le chercher. Un coup de Frostbond peut-être, elle est affamée. Eternal qui est pas bien. Les ghouls, salve de. Oh, elle va faire mal cette salve. Ils sont tous slow. Ils sont tous slow. Hanzo qui se fait attraper. Oh, Eternal. Il est trop fort. Le root max range sur Hanzo. Les ghouls, timing parfait. Retournement de station. Superbe. Superbe. Et Jaina qui esquive. Hein. Azu qui esquive la flèche. J'aime pile super. Pour les liquides. Troisième paiement. Ah, ça va faire mal. Là, il y a. Ok, ils ont quand même du wave clear, mais le 16 est loin d'être là. Deux niveaux d'avance. On le rappelle, c'est environ 7% de dégâts supplémentaires, hein, enfin de tankiness, de stats globales supplémentaires. Donc c'est quand même énorme. Et là, si on arrive à prendre un T2, ça pourrait être une future condition de victoire. Plus, hein. Même plus que 7%, parce que c'est 4% en moyenne sur les niveaux. Ça dépend. Je crois que c'est 3-5 globalement. Ah, mais maintenant, il y a beaucoup de 4%. Donc là, après, je crois qu'il y a les sorts, c'est genre 4% et des. Les stats globales, je crois que c'est 3,5. Ouais, peut-être. Et après, il y a des héros, évidemment, ça va, il y a beaucoup de particularités. Bien sûr, beaucoup de variantes. En tout cas, le 16 qui arrive pour les liquides. On choisit de mettre de la pression mid. Attention, ouais. Azu. C'est en train de push sur les salines. On veut pas ce split aussi. Hein. On veut pas ce split côté liquide. Alors, on n'a pas les ghouls aussi, hein, sur Arthas. C'est vrai. Ni la salve. Par contre, il y avait une petite erreur côté Sportbilly sur la Void. Il a voulu EA, alors que s'il avait A, il aurait eu le shield et qui aurait pu lui permettre peut-être de tanker. Mais bon, c'était du détail. En tout cas, en ouf top, le 16 est là pour les liquides. On a la cadence de guerre du côté de Phoenix. L'exposition nord hein, pour avoir la vulnérabilité. Attention, il s'est fait attraper, Croen.
Attention, le cocon demi sur Arthas, il va choper. Ouais, la charge en plus, heureusement. Et on va peut-être aller chercher le T2 du coup pour les Liquid. Il y a Blaze qui est botte, le T2 qui devrait tomber. C'est peut-être deux même, hein. Peut-être deux T2, j'vous qui se fait taunt. La charge, oh, super flèche de Kroen. Le stun de Missidol sur trois personnes. Phoenix qui va pouvoir repartir, il faut prendre le T2. Il faut prendre le T2 côté Liquid. Il faut repartir, hein. C'est bien ce que cette botte. Mais il n'y a pas le 16. C'est bien, c'est récupéré par Sport Billy. Attention quand même, il veut retourner. Oh, ouais, il a essayé de chercher une engage. Sport Billy et Asuki. Ah, ça va faire du bien, Kroen. Oh, superbe. Sport Billy qui chope le Hanzo. Attention à la sortie de Booker, Missidol qui est pas bien. Missidol qui va se faire attraper une nouvelle fois par Sport Billy. La Void défensive qui ne suffira pas et c'est un boss. C'est peut-être la game. C'est peut-être la game. Terminé. C'est boss pour Liquid. Je pense que. Alors, c'est un boss assez early quand même. Ouais, c'est donc, sûr. Il mais peut y a pas être de T2. Défendu. Mais il n'y a pas de T2 et t'as une Jaina. Mais t'as pas de 16 et t'as pas de Void. Pour temporiser. Oh là 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 là, ce kill sur Kroen. Sport Billy qui fait la diff. Et attention, ça pourrait être la game pour les Européens. Heureusement, paiement pour Heroes Earth. Mais peut-être que Liquid va le laisser. Hein. Ils ont les T1 pour temporiser. Après, voilà. La Spider pourrait aussi potentiellement défendre. Ils vont le laisser. Ah, ils vont tap, ils vont tap, ils vont pré-tap et ils vont aller sur le finir. Ils veulent finir là-dessus. Ils viennent de Fontaine, tu l'as dit. Du coup, ils veulent finir. Ils veulent finir là-dessus et je comprends, il n'y a pas de 16. Il n'y a plus de T2, c'est un boss qui file sur le corps. Allez, Sport Billy qui se positionne pour que McIntyre. C'est bien ce que fait Sport Billy. C'est très intelligent. Il sait que McIntyre veut venir sur un flanc. Et il n'y a pas de Void en plus. Il n'y a pas de Void, attention. Ouh, on va être obligé de E à haute. C'est bien ce que fait Sport Billy. Parce que du coup, il n'y aura pas de win possible. L'élémentaire qui est claqué. Attention. On chope Anub. La flèche qui mise. Et Anub qui tombe. C'est peut-être la game pour les Européens. Parce que là, c'est 5v4 à jouer sans Void non plus. Attention. Oh, McIntyre qui met de la pression sur Arcaner. Arcaner qui est pas bien. Sport Billy dans la mêlée pour permettre à Arcaner de se repositionner. Il chope de McIntyre. McIntyre qui route. La game peut-être pour les Européens. Liquid ira en demi-finale des championnats du monde. Ils étaient menés 1-0 et on voit. Voilà Eternal qu'on a vu extraordinaire sur cette game. Et Azu, première BlizzCon TR qui ira en demi-finale de ces championnats du monde. Très critiqué Liquid, hein, suite à leur fin de saison difficile. On disait peut-être même qu'ils avaient volé une place à Fnatic qui était en très grande forme. Mais non, ils répondent par un top 4 mondial. Je suis très content pour ces joueurs. Très très content. C'est incroyable. C'est excellent pour l'Europe. C'est juste excellent pour l'Europe. Et ce qui est encore plus important, c'est les seuls qui ont réussi à prendre une map à Genji pour l'instant au tournoi. C'est vrai, dans le tournoi. Liquid. Donc là, on aura justement le match retour. Hein. Le match retour est très important. Une demi-finale en BO5 entre Genji et Liquid. Et ça, c'est un coup dur pour l'Amérique quand même. Parce qu'on le rappelle, Heroes Earth, c'était l'espoir américain quand même. Ah, en face, t'as Tempo Storm contre Dignitas. On peut attendre peut-être un petit peu moins de possibilités. Ça, d'ailleurs, ce sera le prochain match. Hein. Dignitas Tempo Storm, ce sera le prochain match. Et j'ai un peu peur que Tempo Storm se prenne une fessée déculottée, hein, sur cette affiche. Mais en tout cas, là, il faut parler de Liquid. Superbe. Cette cartouche, alors, ce Viking qui aura complètement chamboulé le BO. Hein, honnêtement. Alors justement, après cette première game ratée, vous étiez dos au mur. Alors comment ça se passe justement quand vous êtes mené? Voilà, dans les têtes, comment ça se passe? Est-ce que voilà, est-ce que c'était justement quelque chose que vous aviez préparé? Vous n'êtes pas emballé? Ouais. Heroes Earth, ça a été extraordinaire sur la première game. Ils nous ont complètement bouffé. Voilà, à chaque fois, c'était très compliqué pour nous de s'exprimer. Voilà, évidemment, la strat viking était travaillée. Mais cette fois, Eternal était dessus. Voilà, c'est moi qui suis le genre de Jaina, donc. Donc on a changé notre fusil d'épaule puisque c'est Eternal qui est parti dessus. Et on est, voilà, on a laissé les Vikings prendre le contrôle top mid et nous on était forcé bot.
played out as we wanted it. Et on a réussi à jouer ce qu'on voulait. So cool to see the Vikings get a win as well. Voilà, ça fait super plaisir de voir les Vikings gagner évidemment. Alors là vous voilà, ça y est, vous tapez vous êtes top 4 tout simplement. Donc vous affrontez Gen.G, c'est votre adversaire. Alors comment ça se passe justement quand vous allez attaquer cette série? Oui, parce que vous avez pris une game la dernière fois. Je pense que Gen.G a fait une super enfin a très bien joué contre nous, mais nous aussi. We just give our very best. Voilà, de toute façon, Rich veut nous 3-0. Après, voilà, après avoir perdu contre nous, mais nous, on va les attendre. Ils partent favoris, bien sûr, mais. Mais voilà, on va préparer nos drafts ce soir. Voilà, voilà, exactement. Ça, c'est super important. Je suis content de voir ça. On n'a rien à perdre. C'est ce que dit Azu. On n'a rien à perdre. Voilà. C'est, on sait que tu attendais énormément cette BlizzCon et voilà, devant cette foule. Ouais. On sait, voilà, que voilà, c'était un peu effrayant parce qu'on savait que cette foule allait être pour Heroes Earth. It's hype. Mais c'est super important. C'est hypant, voilà, d'être ici, d'être devant cette foule. Rattraper! Oh! Hop, le taunt qui est parti de Sport Billy. Qui ne touche pas, Croen, attention, il a pris la torchère. La flèche. Qui va être mise! Qui touche 4! Oh, cette flèche! Eternal dans la mêlée de Sport Billy, le cocon. Qui a été envoyé, attention au caveau. On va faire mal. Le bunker! Oh, Missidol qui est pas bien! Oh, Missidol qui tombe! Ce bunker d'Eternal! Oh, Eternal! Oh, il a sauvé. Attention, c'est bon. Oh non, c'est raté! Arcaneur! Oh, par contre, Croen qui est mort! Croen qui est mort! Ça, c'est bien! Heroes Earth, mais ils arrivent en retard. Le bouclier est déjà tombé. Quasiment. Et il y a Anubivet sur le corps. Anubiva, Tracer, et Tyrant, c'est parti pour le base rail. Mais c'est à l'avantage des Européens. Arcaneur, le play again demi. Et on va y aller. La pointe quantique qui touche. Phoenix qui tombe. En plus, Jaina qui a pris le kill sur Phoenix. Azu qui a réussi à faire l'incroyable. Et le corps qui tombe. Un partout entre les Européens et les Américains. Voilà Viking qui aura eu de l'impact. Quel game! Parce que du coup il n'y aura pas de win possible, élémentaire qui est claqué. Attention, on chape Anub, la flèche qui est mise. Et Anub qui tombe, c'est peut-être la game pour les Européens. Parce que là c'est 5v4 à jouer sans Void non plus. Attention, oh, McIntyre qui met de la pression sur Arcaneur. Arcaneur qui est pas bien, Sport Billy dans la mêlée pour permettre à Arcaneur de se repositionner. Il chape de McIntyre, McIntyre qui route. La game peut-être pour les Européens. Liquid ira en demi-finale des championnats du monde. Ils étaient menés 1-0. We'll be right back.